roi. Si je déplace mon cavalier, là, je perds ma dernière tour. Bref, tu as encore gagné. Eh oui, ma chérie, t'es cuite. Avili, déshonoré, un mat en trois coups. Et pourtant, j'avais réussi à faucher ta dame au huitième coup. Non, 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 tu ne l'as pas fauchée. Je te l'ai offerte. Tu as grand temps de la prendre. Le sacrifice de la dame est un des plus vieux pièges des échecs, ma chérie. Tu veux ta vente? Oh non, merci, j'ai pas le goût de marte. Quelle heure est-il? À peine minuit. L'heure il y a pour prendre un verre. Tiens, qu'est-ce que ça sert? Je dis gin, vodka. Un scotch. Un scotch. Bien, je te sers ça tout de suite, ma chérie. Dis-moi, Philippe, comment se fait-il que tu joues si bien aux échecs? C'est agaçant, parce que, en toute logique, tu es le type même du monsieur qui ne sait pas jouer aux échecs. Mais je ne sais pas jouer aux échecs. Je suis imbattable aux échecs, ce qui est tout à fait différent. D'ailleurs, ce soir, tu n'as pas fait ton jeu habituel. Oh, je me sens un peu fatiguée. Ah, mais ça t'apprendra à faire aller au Montréal-Magog simplement pour le plaisir de te faire malaxer par une bande de charlatans. Sophia et Cléo ne sont pas des charlatans. C'est le meilleur institut de beauté de tout le Québec. Et puis, j'avais pris rendez-vous, heureusement d'ailleurs. Il y avait un monde fou! Ah oui, surtout des pompiers, je suppose. Des pompiers? Pourquoi? Ben, à cause de l'incendie. L'incendie? Là, oui, je pensais que tu l'avais remarqué. D'après la radio, il a fallu évacuer l'immeuble. Tiens, prends ça, ça va te remonter. Et rassure-toi, il semble que je sois la seule victime. Je suis navré, Philippe. Il y a longtemps que j'aurais dû parler de tout ça. Ah, je travaille à Radio-Canada, chérie. Il est tout à fait normal que ça soit la radio qui m'apprenne que je suis cocu. Et il s'appelle comment, le regagnant? Olivier Desmarais. Desmarais, je le connais. Oh, tu l'as rencontré en même temps que moi, en mars dernier chez les Brockman. Tu sais, pour le dîner pour la fondation du musée d'architecture. Ah, mais dis donc, c'est pas ce soir-là où je me suis engueulé avec un type au sujet du dôme de marbre devant l'oratoire Saint-Joseph? Si. Tu étais tombé dans le whisky juste avant le dîner et il n'avait pas eu le temps de sécher. Un peu plus et tu giflais ce pauvre garçon. Oh, et oui, il m'agaçait. Il était même jamais monté par les escaliers de l'oratoire. Moi, si. Oh, mais dis donc, non, bon Dieu, ne me dis pas que c'est lui. Non, celui-là était chilien. Olivier est canadien. Ah, Dieu soit loué, un canadien. Mais dis-moi, voyons, ce jour-là, si ma mémoire est bonne, tu avais un Uruguayen à ta droite et un Mexicain à ta gauche, au contraire. Où était-il, ce canadien? Juste en face de moi, derrière le chandelier. Je ne voyais que ses yeux. Et que fait-il dans la vie quand il a fini de lorgner les femmes des autres par-dessus les chandeliers? Il est financier et agent de change. Ah, ils habitent n'importe qui, ces Brockman. Ah, mais attends, j'y suis. C'est ce type très élégant avec un jabot de dentelle, hein? Ah, c'est lui. Oh, mais il m'avait bien plu à moi aussi, hein? Il m'avait dit que mes émissions Radio-Canada étaient les seules qui faisaient rire. Et c'est vrai qu'il te trouve très drôle. Ah. D'ailleurs, tout le monde te trouve très drôle, Philippe. Ah oui, qu'est-ce que ça va être maintenant? Bien, je suppose qu'il t'a téléphoné le lendemain. Si, pendant 40 minutes. Non, pas pendant les heures d'ouverture de la bourse, tout de même. Si, justement. Ah oui, arrête, dis donc, t'avais dû me mettre dans un drôle d'état. Bon, il voulait m'inviter à dîner, mais j'ai refusé. J'ai refusé pendant 18 jours. Ah, mais c'est beau, non, mais c'est très beau, ça. Hein, non, mais, quand on pense qu'à Québec, Montcalm a tenu que 8 heures devant l'armée anglaise. Bien, alors tu as fini par aller luncher et quand es-tu écroulé définitivement? Oh, je ne me souviens plus très bien. C'était 3 semaines plus tard. C'était un mardi, oui. Ah bah oui, pourquoi pas. Un mardi, c'est très bien pour faire ça, oui. Et moi, je soupais où ce soir-là? Tu soupais chez Alexandre avec ton directeur de programmation. Non mais attends, je suis allé pour souper avec lui qu'une fois depuis l'hiver dernier. Et ça, c'était un jour que tu m'avais dit que tu allais à l'opéra avec ta mère. C'était ce soir-là. Non, ta mère est dans le coup. Mais non, voyons, elle t'adore. Elle est allée seule à la place des arts, c'est tout. Je lui ai dit que j'avais la migraine, et c'était vrai. Ne croyez pas que j'étais heureuse. Bon, moi, je sais, c'est pas des moments rigolos, hein. Bien. Et je suppose que ça s'est arrangé. Démarrer, hein, c'est ça? Oui. Parfait. Où vas-tu? Me servir un autre verre, tu en veux, hein? Non, ça va. Dis donc, Philippe, quand as-tu commencé à avoir des doutes à mon sujet?
La première fois de ma vie où je t'ai vu. T'étais à cette foutue vente de charité, là. Tu te souviens, là, t'étais derrière son, ton comptoir. Et je t'ai regardé, et alors je me suis dit que t'étais beaucoup trop belle pour moi tout seul, mais t'avais la peine d'essayer. Et comme un idiot, je t'ai acheté deux énormes jambons. Et après, aucun soupçon, aucune inquiétude. Ah, plus rien pendant 20 ans. Jusqu'à la semaine dernière où ma secrétaire, Rachel Damour, m'a confié qu'elle t'avait vu dans une agence de voyage de la rue Sherbrooke, accompagnée par un Apollon aux yeux de braise. Alors comme ce jour-là, tu m'avais dit que tu allais au cinéma avec ton amie Natacha, eh bien je me suis retrouvé brusquement nez à nez avec un énorme point d'interrogation. Et les yeux de braise du type en question n'ont pas arrangé les choses, hein. J'ai imaginé en train de grésiller doucement comme une côtelette de mouton. Mais pendant 20 ans, je n'ai jamais pensé que cela pourrait m'arriver. L'angoisse n'est vraiment pas ta spécialité. Oh, que veux-tu? J'ai toujours pensé que c'était moi, Apollon. Tout de même, au printemps, au début du printemps dernier, le jour où je jouais la finale de la Coupe du Club contre Martin Bisaillon, je t'ai vu arriver et je me suis demandé un instant pourquoi diable tu avais l'air tellement heureuse. C'était une bonne question à piocher, ça, Philippe. Oh ben écoute Thierry, nous étions à 4 jeux partout dans le dernier set, alors je me suis dit qu'il fallait d'abord que je liquide Martin, puis qu'on verra après. Et après, tu n'as rien vu. Pas même le jour où tu m'as trouvé en larmes sur le banc au fond du jardin. Bon, t'aurais pu pleurer de joie ou d'émotion. Enfin, rappelle-toi, l'année dernière, tu es à Oslo, t'as sangloté devant une Europe boréale. Et tu as simplement imaginé que je vais en avoir une à Westmont. Bon, t'aurais pu voir autre chose, je sais pas, moi, un bébé écureuil, une chatte en train de lécher ses petits, enfin. À propos, qu'est-ce que tu avais vu ce jour-là? J'avais vu Olivier Desmarais. Et j'avais accepté d'aller souper avec lui le lendemain soir. Je savais ce que cela signifiait. C'était de honte que je pleurais. Ah ben oui, je comprends. Ça doit être très humiliant pour une femme d'être mariée à un cocu. Oh, je t'en prie, je savais pas me tromper. Je l'aurais jamais fait si tu avais eu un geste envers moi ce soir-là. Je ne demandais que ça. Mais moi aussi, ma chérie. Alors il aurait fallu deviner, savoir. Tu savais ce que j'ai enduré devant Olivier pendant ces 3 semaines. C'était comme être au bord d'un précipice avec en même temps l'envie de me précipiter et la peur de tomber. Mais toi, bien sûr, pendant tout ce temps-là, tu continuais simplement à être le type le plus drôle de tout Radio-Canada. Bah, écoute, tu ne pouvais pas deviner que ce financier te donnait le vertige. T'en avais vu d'autres tout de même. Je n'avais pas vu celui-là. Et tu aurais dû t'en douter. Olivier passe pour être un des types les plus attirants de Montréal. Il a été marié 3 fois. Et 3 fois des femmes ravissantes. Ah, Mohamed Ben Démarrer, le chèque aux yeux de braise. Oh, tant mieux, c'est à fait. Bon, tu sais, je me force un peu pour rire, hein. Oui. Et puis, ouais, je commence à me demander vraiment si Rachel Damour était bien inspirée d'entrer dans cette agence de voyage. Qu'est-ce qu'elle faisait, au juste? Oh, elle a décidé de passer ses vacances à Florence. C'est une mordue de la Renaissance italienne. D'ailleurs, vous la rencontrerez probablement. Elle a décidé de pousser jusqu'à Rome. Pourquoi vous la rencontrerez? Vous étiez bien en train de réserver des places pour Rome. Pas moi, Olivier. Il a une affaire à traiter là-bas, il part seul. Seul? Avec 2 sièges en première classe? Oh, mais je n'avais pas vu si gros, tu vois. Oh, ça va, tu as gagné. Je pars avec lui dimanche matin. Dimanche? Mais nous sommes vendredi. Quand comptais-tu me prévenir? Lundi. Ah bon, je vois, c'est intéressant. Tu m'aurais prévenu le lendemain que t'avais filé la veille, bah oui. Mais enfin, je te l'aurais dit. Là, quelqu'un d'important rencontrait un animal là-bas. J'en aurais profité pour t'appeler. Ah oui, et quel prétexte m'aurais-tu donné dimanche matin pour partir d'ici avec tous tes bagages? Aucun. Je t'aurais dit que je partais 2 jours chez maman. Ah bon, elle doit commencer à être bien amortie, ta mère. Hein? Je te répète qu'elle n'y est pour rien. Oh, je sais, oh, oui, elle m'adore. Elle m'adore, ta mère m'adore. J'ai épousé la fille, c'est la mère qui m'adore. Tu veux le divorce, naturellement. Tu vois une autre solution. Ah, j'aimerais bien en voir une, hein. Oh, écoute, Lise, je serais navré que tu prennes ça pour une méchanceté, mais... Tu n'es plus ce qu'on appelle une toute jeune femme. Je sais, mon vieil maître sur les îles désertes. Ah oui, je sais. Et moi-même, je suis un vieux cheval en train de boucler son 55e tour de piste. Et tu sais, je sens que l'arrivée n'est plus tellement loin. Hein. Je commence à me déglinguer sérieusement. Hein. Donc, t'en prie, épargne-moi la pitié pour l'époux vieillissant. Trouve autre chose. Ah bon, c'est pour autre chose. Bien. Nous avons 2 enfants, Lise. Oh, les enfants, je les attendais. Ah oui, 2 adolescents qui nous aiment et que nous aimons. As-tu pensé que tu allais les rendre orphelins? Orphelins? Comment ça? Ah oui, tu allais les abandonner. Pas du tout.
C'est toi que j'abandonne. Les enfants vont vivre avec moi et Olivier. Et moi, avec qui est-ce que je vais vivre alors? Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Dieu sait que ma en absence n'aura pas plus d'influence sur ta vie que ma présence n'en a eu. C'est-à-dire aucune. Je t'ai jamais servi à rien, Philippe. Oh oui, peut-être. Mais pour ce genre de service, un tas de jolies filles n'en manqueront pas de vouloir te rendre. Et il n'y en a pas beaucoup non plus qui te l'ont refusé jusqu'ici. Oui, à peine une centaine. Ça en fera toujours assez pour meubler ta solitude. Pendant que tu meubleras celle de démarrer. Olivier a besoin de moi, lui. Oh, il a besoin de toi, il a besoin de toi. Mais c'est à la portée de tous les deux d'avoir besoin de toi. Il n'y a qu'à te regarder, fermer les yeux, ça marche à tous les coups. Mon pauvre Philippe, tu mets l'envie et le besoin. Ça n'a aucun rapport. Aucun, tu es sûr? Mais enfin, bon Dieu, qu'est-ce qu'il a plus que moi, ce type? 11 ans de moins. Il y aurait là une allusion déplaisante à mon état général. Je n'ai aucune inquiétude pour ton état général. Pas même le jour où tu jures d'avoir passé la nuit avec ton vieil ami Sam à jouer au poker, alors qu'il est parti l'avant-veille pour la France. Vous voyez que nous ne devions plus jamais parler de cette histoire idiote. Oh, mais rassure-toi, c'est la dernière fois qu'on en parle. D'ailleurs, ne te fais pas d'illusions, hein. Desmarais est sûrement un vieux copain, lui aussi, hein. Nous en avons tous un. Et étant donné votre différence d'âge, tu vas pas tarder à t'en apercevoir. Qu'est-ce que quelques années de plus? Oh oui, je sais, aujourd'hui ça n'a l'air de rien, mais attends, tu verras dans 100 ans qui t'appellera pour savoir le sexe des gens, Desmarais. Bon, fiche-moi la paix. J'avais pensé que nous aurions une conversation sérieuse au moins une fois dans notre vie. Pas même le jour où je te quitte. Mais tu es un clown, Philippe! Oh, tu crois que je plaisante? Non, ça en a peut-être l'air comme ça parce que je descends d'une vieille famille anglaise, écossaise, ou en tout cas qui a toujours réussi à vendre du désherbant pour du whisky millésimé, mais ça veut rien dire. Hein? Et tu ne m'as toujours pas dit qu'est-ce que Desmarais a que je n'ai pas, moi? Tout! Il est amoureux, il est prévenant, fidèle, loyal, ému. Ému, oui, parfaitement. Il est ému lorsqu'il me voit arriver. Ému lorsqu'il me quitte, ému lorsqu'il me parle, lorsqu'il me touche. Ému, quoi. Il est toujours ému. C'est un type ému. Toute une vie hein, avec un type qui se met à bredouiller à chaque fois qu'on ouvre une porte, il faut vraiment aimer ça, hein, enfin, passons. Hein. Bon, et puis-je savoir dans quelles conditions d'hygiène et de confort il compte faire vivre mes deux enfants hein, j'espère qu'ils auront au moins une espèce de petit bout de jardin pour s'amuser. Ils auront 250 hectares de prairies et de bois dans les cantons de l'Est, avec une propriété de 30 pièces. Une colonie de vacances? Mais non, c'est le berceau de sa famille. Sa mère y vit encore. Pauvre vieille dame, hein, perdue dans cette immensité avec de la misère jusqu'aux genoux. Oh. Bref, Isabelle et Nathaniel devront faire chaque jour 2 ou 3 heures de marche pour aller retrouver leur petit copain. Non, mais tu y as pensé, ça? Mais non! Les 3 enfants de Olivier vivent avec lui. Et ils sont sensiblement du même âge que les nôtres, et je peux te confirmer que ce sont de très beaux enfants. Ah, oh, je sais, oui, les cantons de l'Est a toujours été une région renommée pour leur élevage. Bon, naturellement, tout ça est hypothéqué jusqu'aux oreilles. Tout ça quoi? La maison, le terrain, enfin, Desmarais doit payer d'énormes pensions alimentaires pour ses anciennes épouses. Non, mais tu t'es renseigné? Oui. Je me suis renseigné. Il ne paie aucune pension. Ses 3 femmes sont remariées. Il les recase. Ce type est un génie. Enfin, il faudrait bien une statue. Enfin, mais qu'est-ce que je peux faire contre un type comme ça? Rien. Mais tu aurais pu faire quelque chose avant. C'est justement tu avec un autre type. Quand j'ai compris que ça ne serait pas la plus forte devant Olivier, je t'ai supplié de laisser la télévision à tes petites amies et m'emmener n'importe où, loin d'ici. Oh, non, tu as refusé. Tu as pris ça pour des caprices. Écoute, ça aurait servi à quoi hein? C'est Desmarais que tu aurais vu devant toi en train de faire tourner son verre de cognac entre ses doigts. C'est Desmarais que tu aurais entendu se brosser les dents dans la salle de bain. C'est Desmarais que tu aurais aperçu sur le balcon drapé dans sa robe de chambre. Hein? Mais malheureusement, c'est moi que tu aurais vu siffler le cognac, sortir de la salle de bain et retourner vers toi sur le balcon. Et ça t'aurait flanqué un coup terrible à chaque fois. Ah non, crois-moi, Lise. Mieux vaut s'incliner devant les lois de Dame Nature, notre mère à tous. Regarde les cerfs, par exemple. Les cerfs? Oui, les cerfs. Il n'est pas un vieux mâle qui ne lève un jour le museau au-dessus des fougères. Qu'est-ce qu'il voit à l'horizon? Un autre magnifique panache, des oreilles frémissantes, une tête fine, une encolure puissante avec des muscles dorés. Bref, sa propre image, il y a 10 ans. Et alors? Alors, il sait que le moment est venu. Au moins, il va se battre, lui. Oh, ça lui sert à quoi? De toute manière, il est cuit. Et s'il n'était pas idiot, ben, il bouclerait tout de suite sa petite valise de fer et il irait s'asseoir tranquillement sous un arbre en haussant ses petites épaules de fer.
Non, mais enfin, tu nous vois démarrer, moi, nos cornes emmêlées, en train de lutter sur la plage d'Acartier, hein, avec toi, grimpé en haut de la colonne Nelson, le museau humide d'émotion, attendant l'issue des combats. Oh. Comme ça, tu acceptes ta défaite. Ça ne te ressemble pas. Ouais, eh bien, je pense que je me suis ressemblé trop longtemps, Lise. Oui, j'accepte ma défaite. Oui, même, je vais au-devant de mon sort, hein, comme Cordelia, hein, qui a passé à sa tête dans le goulon, hein, oui, avant qu'on la pende, bien entendu. T'es sûr que t'es pas un peu sous, Philippe? Ah, toujours un peu, jamais trop. Telle est la devise des Preston. À propos, Lise, qui va expliquer tout ça, nos chers enfants? Bien, j'avais pensé que tu t'en chargerais, mais si tu l'exiges, je vais le faire, mais si tu... Ce serait plus rigolo, ben plus... Non, ce serait plus, enfin, si ouais, tu... Plus rigolo, comme tu dis, oui, hein, oui, ça serait plus rigolo. Pauvre Lisa, oui. Ah, même dans les moments de bonheur, il y a des moments difficiles à passer, hein. Oui. C'est dommage qu'on ne puisse pas se faire opérer de la conscience, hein, comme de l'appendicite. Très bien, très bien. C'est moi qui le leur dirai. Le temps de trouver un fournet avec une perruque rouge et un petit jet d'eau au milieu. Avec les accessoires, ça sera beaucoup plus drôle, tu crois pas? Enfin, Lise, est-ce que tu es sûre de ne pas te tromper avec ce type? Enfin, et tu te rends pas compte que c'est purement physique? C'est le démon de midi, là, qui chatouille. C'est pour moi qui est un peu tôt pour le démon de midi, j'ai à peine 50 ans. Oh, il arrive pas toujours à l'heure, tu sais, surtout à Brisson. Olivier et moi, nous nous aimons, Philippe. Peu importe, comme tu dis, que ce soit purement physique, il nous suffit que ce soit ce que c'est. Je suis heureuse. Ça signifie que pendant 20 ans, tu n'as jamais été avec moi? Oh, si, je l'ai été. Comme un légume. On peut dire des légumes qui sont heureux. Ils sont là, mais tranquilles, au soleil. Mais ça, vois-tu, c'est exister. Moi, ce que je veux vivre. Je veux me sentir la femme d'un homme, pas son meilleur copain. Il me semble que je ne manque pas de références érotiques tout de même. Alors, rappelle-toi, notre voyage de noces à Termina. Parlons-en. J'ai pensé la première nuit à hurler de rire. Oh, écoute, je pouvais pas deviner que le chat de l'hôtel s'était réfugié dans le lit, enfin. Et ça nous a pas empêché de battre le record local, hein. Ah, oui, c'est le garçon de chambre qui me l'a dit. 9 jours, 17 heures et 34 minutes sans sortir de la chambre. Il reconnaît qu'il pleuvait à torrent. C'est même là que tu m'as appris à jouer aux échecs. Et avoue que sur le plan de l'érotisme, enfin, en ce qui me concerne, tu as un peu dormi sur tes lauriers depuis Termina. Oui, bon, admettons que je ne sois pas un amant particulièrement spectaculaire, mais pour le reste, je correspond tout à fait à l'ordonnance du médecin, hein. Amusant, sympa, pittoresque. Menteur, hypocrite, infidèle. Bon, bah ça fait moyenne. Elle est un peu pauvre, la moyenne. Bon. Eh bien, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'un homme peut dire dans une cérémonie de ce genre. Mais, dis donc, tu ne crains pas que... Démarrer, là, qui s'est déjà fatigué de 3 femmes ravissantes, ne fatigue aussi de la 4e. J'apprécie tout le mal que tu te donnes pour me dégoûter de Olivier, Philippe. Mais je t'assure que tu perds ton temps. Ah, je vois, oui. La coquille de noix qui flotte sur un océan déchaîné de passion, donc c'est toi. J'ai été ta coquille de noix avant d'être la sienne. Oui, oui, mais moi je suis pas un océan, je suis une toute petite plaque en train de sécher. À propos, tu veux un verre? Un scotch. Tiens, là mon verre. Ah, quand même, c'est beau la civilisation, hein, Lise. Il y a à peine 30 000 ans, j'aurais empoigné ma meilleure hache de silex et j'aurais cavalé jusqu'à la caverne de Desmarais pour la lui flanquer dans le crâne. Alors que nous voilà aujourd'hui, toi, la femelle, et moi, le mâle, en train d'analyser paisiblement la situation en buvant un verre. Le pacifisme par l'alcool, hein, voilà la vérité. Si je comprends bien, tu es prêt à te battre pour l'escalier de l'oratoire Saint-Joseph, mais pas pour ta femme. Laquelle? Celle qui pleurait de joie le jour de son mariage ou celle qui s'apprêtait à filer en douce avec des marées, hein? Ah, dis-moi un peu, combien y a-t-il de femmes dans une femme? Mon oncle Antoine disait qu'il y en a 3. La fiancée qui pleure, l'épouse qui soupire et la veuve qui espère. Ah, oh! Voilà ce qu'on devrait apprendre à l'école, tiens. Bon, en fait, vous n'habiterez pas dans les cantons de l'Est. Imagine que Desmarais doit avoir un appartement somptueux dans un quartier adéquat à Montréal.
Oui, il a une pièce en enfilade dans le vieux Montréal, dans un superbe appartement rénové. 9 pièces? Ah ben non, ça va, 9 pièces, bien. Oui, ça va. Ah, puis comme le vieux Montréal, j'y mets jamais les pieds, comme ça, je risque pas de vous rencontrer à tous les coins de rue. Mais tu dis ça comme c'est long de devenir des ennemis, mais je veux quand nous restions des amis. Et Olivier, tu sais, autant que moi. Ah bon, il ne m'en veut pas, alors. Ah bon, non, je dis ça seulement, c'est pas un type frustré, j'aime ton passé. Non, pas du tout. Il faut que nous restions de très bons amis, même. Sinon, comment ferais-tu pour avoir les enfants, si nous devions éviter de nous rencontrer? Oui, ah ben oui, il faudrait que tu les déposes le matin à la consigne d'une gare, que je les reporte le soir, et là-dessus, il y aura certainement nous deux qui perdraient le ticket, alors bonjour les ennuis. Je t'assure que tu bois trop. Il y a longtemps que nos enfants n'ont plus l'âge d'être tenus par la main et qu'ils savent se conduire dans une ville. Bon, mais alors, si nous restons copains, je n'aurai qu'à aller souper un ou deux soirs par semaine chez Desmarais. Tu penses qu'il acceptera? Mais oui! Et même, tu pourras venir passer quelques jours dans les cantons de l'Est durant les vacances. Oui, je vous aiderai à rentrer les foins. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, autant s'y mettre tout de suite. Où il est, ce brave homme? Chez lui, naturellement. Ah bon, et il est seul? T'essaies d'être drôle. Mais oui, il est seul. Non, te fâche pas. Non, je pensais simplement qu'il aurait pu en profiter pour faire descendre sa pauvre mère de son tas de luzerne et de l'inviter chez lui. Mais non, sa mère passe tout l'été, tout le mois de juillet dans leur propriété de Montreux, en Suisse. Oh, là. La tête à Montréal, le derrière dans les cantons de l'Est et les pieds dans la Clément. Ça, c'est les grandes familles. Bref, il est seul. Seul en ville, un vendredi soir, dans 9 pièces, on en fait là-bas. Oh, quelle horreur! On dirait du Samuel Beckett. Bon, ben dis donc, invite-le, hein, téléphone-lui de venir. Ici? Eh oui, bien sûr, il passera samedi avec nous, il dormira dans une des chambres d'amis. Et toi, ben, dimanche, je vais partir tout seul, tu partiras avec lui. Mais mon doux, mais tu y penses? Moi, ta femme, éviter son amant sur le poids conjugal et partir avec lui dimanche matin? Bras-tu, pendant peut-être que tu nous inviteras ton mouchoir du haut du perron? Mais tu as dénoué de tout sens moral, mon pauvre Philippe! Et toi, de tout sens pratique, hein? Écoute, un divorce, c'est pas une surprise partie, ça s'organise. Pignon, c'est toi qui as insisté pour que je rencontre des marais, hein? Oui, mais après quoi? Oh, je sais pas, moi je sais plus ce que je dis. Oh, pauvre chou, c'est la fatigue, hein? Tu devrais prendre un peu de méthanol. Fiche-moi la peau! Pourquoi tiens-tu tant à ce que j'invite Olivier ici? Qu'as-tu mijoté dans ta sale caboche, Philippe Preston? Rien, chérie, rien. Bon, mais tant mieux. Comme ça, tu ne seras pas déçu. Car il n'y a que moi qui pourrais décider Olivia à venir ici, et je le ferai pas. Et je m'en vais me coucher. J'en ai assez entendu. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Et surtout, ne t'inquiète pas pour le divorce. J'ai décidé de prendre tous les torts à ma charge. Oh! Je ne savais pas que Radio-Canada était une pépinière de nobles chevaliers. Mais évidemment, je ne peux pas me permettre de refuser ton offre, surtout pour les enfants, qui heureusement sont pensionnaires et n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Mais comment vas-tu t'y prendre? Tu vas aller chez Paris, te faire pincer avec une danseuse? Ce serait trop bête d'aller dépenser de l'argent aux danseuses quand je peux faire ça à la maison gratuitement, puis dans des conditions de confort incomparables. À la maison, tu veux dire ici? Mais bien sûr, hein? Oui, entretien de rapport physique avec une concubine sous toit conjugal. Ça pardonne pas. Mais voyons, quel scandale cela ferait! As-tu pensé ce que dirait Madame Bourgeois? Eh bien, pour une fois, cette vieille pie aurait quelque chose à dire. Ah, non? Oh, oui, monsieur le juge, je l'ai vu comme je vous vois, le matin en montant le petit déjeuner à cette dame. Monsieur était dans son lit, en pyjama, il la tenait par le cou. Et crois-moi, quand le juge aura vu de à quoi ressemble Puits d'amour, eh bien, je te jure qu'il saura de quoi il retourne. Qui est Puits d'amour? Ah, ma secrétaire, Rachel d'amour. Mais Radio-Canada, tout le monde appelle Puits d'amour, je sais pas pourquoi. Et c'est ta secrétaire que tu as l'intention de tenir pour le coup dans son lit en pyjama, chez moi? Bah, écoute, chérie, je t'assure que je pourrais pas trouver mieux, hein? Hein? Puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut te faire, dis donc? Tu oublies que dans 48 heures, tu seras dans un avion avec des marais, non? Mais pourquoi ne veux-tu pas aller aux danseuses? Tout le monde l'a fait! Viens pas moi! Pas moi! Hein? Je refuse de donner à ma femme comme rivale, une rivale officielle, une professionnelle avachie avec une poitrine en train de déposer son bilan. Hein? Non mais écoute, tu as pensé que vous devrez toutes les deux témoigner devant le juge? Qu'est-ce que tu penserais de moi, ce brave homme? Hein? Non mais tu es ravissante, je peux quand même pas lui amener le portier. Et la poitrine de Mademoiselle d'amour est au-dessus de tout soupçon? Oh, tout à fait au-dessus, nettement au-dessus même. Tu le sais! Je le sais, là, tout Radio-Canada, c'est enfin, je veux dire que ça le voit, là, tu fais à l'avance, paf, il y a un phénomène qui se produit, là. Qui te dit qu'elle acceptera, à moins que sa fameuse poitrine lui serve aussi de cervelle,
Elle y réfléchira peut-être à deux fois avant de se laisser mêler dans un scandale pareil. Les directeurs de Radio-Canada ne manqueraient pas de lui faire savoir ce qu'ils en pensent. Bon, elle sera peut-être obligée de faire changer son numéro de téléphone, mais sois tranquille, elle acceptera. Elle sait que je suis très bien placé pour la propulser au cinquième. Vous le faire grimper à l'étage. Comment ça? Où ça? Moi, je vais faire grimper un autre étage, à Radio-Canada, oui. Elle a entrepris d'escalader l'immeuble. Oui. Il y a même pas un an, elle était au sous-sol en train de casser des costumes, et la voilà rendue au quatrième à titre de secrétaire privé. Et moi, je peux très bien la propulser au cinquième, au service des infos. Et de là, elle s'attaquera au sixième, puis au septième, pour déboucher finalement, triomphalement, dans les bureaux-terrasses de la direction générale. C'est dégoûtant. Il lui restera plus qu'à mettre sa petite culotte en haut de l'antenne. Ceci. T'avais prévu, ne me regarde pas. Tu peux en faire ce que tu veux. Je m'en vais me coucher. Mais tu es sûr que tu ne veux pas qu'on invite des marins comme ça, on réglerait tout ça d'un seul coup? J'ai dit non. Je peux aller me coucher maintenant? Oui. Bon. Ah, chérie. Oui. Oui, non, je ne te retiens pas là, mais j'ai un petit aveu à te faire, oui. Pour soulager ma conscience. Hein. Oui. C'est au sujet de ton institut de beauté. Quoi? Mon institut de beauté? Il n'y a jamais eu d'incendie. Tu as fait ça? Tu as osé me faire ça? Si c'était pour savoir. Oh! Ça énerve, hein? Et j'ai marché! Mais que Dieu me pardonne! J'ai même eu pitié de toi! Il fallait pas. Oh, je t'ai imaginé tout pâle, tremblant, écoutant les infos. Mais tu es vraiment le plus sale menteur de tous les sales menteurs qui ont menti à une femme! Oh, mais tu vas me payer ça! Oh, tu vas me payer ça! Ah, tu voulais que j'aille te l'aider? Tout à l'heure, j'ai refusé, par respect pour toi. Mais pour respecter un Philippe Preston, faut être complètement idiote. Ah, tu voulais que je l'aide? Eh bien, sois heureux. Il va venir, j'en meurs d'envie. Je peux mettre au haut-parleur, si tu veux. Ça me dérange pas du tout, au contraire. J'ai pas envie d'entendre un agent de change réveillé en sursaut à 1h du matin. Je sais vraiment pas ce que tu espères, mais je te jure que c'est perdu d'avance. Ah ben dis donc, il a un sommeil lourd, hein. Et il dort avec des boules dans les oreilles. Olivier, oui mon chéri, c'est moi Lise. Je sais, il est tard. Je t'ai réveillé, oh, excuse-moi. Oui, quelque chose de très important. Maman? Mais non, il n'est rien arrivé à maman. Oui, je suis à la maison avec lui. Oui. Je lui ai tout dit, mon chéri, tout dit. Il y a longtemps que tu voulais que je le fasse, c'est fait maintenant. Oh, je me sens mieux. Oui. Oui. Comment il a pris ça? Oh, très bien, très gentiment. Oui. Oh, tu as raison, hein. Pour ce qui est de la noblesse d'âme, il est dur à battre. C'est mieux ici, mon chéri. Nous partirons la tête haute vers le bonheur. Non, pas de bonheur, vers le bonheur. Pas de bonheur, vers le bonheur. Vers le bonheur. Vers le bonheur. Mais y a... qu'est-ce qu'il y a encore ce foutu téléphone? Non, mais il faut le secouer, c'est bien connu, il faut secouer pour que ça marche. Allô? Allô? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, démarrez. Ah! Je vous capte. Ne quittez pas, je vous passe ma femme. Merci. Oui, Olivier. Oui, il a tout arrangé. Oui, en effet, comme tu dis, c'est un excellent bricoleur. Oui, bon, on ne parle pas de mes talents bricoleurs, dites-le. Écoute, Philippe aimerait te rencontrer avant notre départ pour régler quelques questions en rapport avec notre divorce. Oui, je sais, ça laisse très peu de temps. Ah? Attends, il t'offre à aller dîner avec lui demain midi. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est un sadique, hein, passe-le-moi. Allô, démarrez, ici Preston, le mari. Bon. Bah, écoutez, ma vieille, hein, vous me piquez déjà ma femme, vous n'êtes tout de même pas obligé à aller au restaurant avec vous pour entendre les détails de l'opération. Non, ça serait inhumain tout de même. Hein? Alors? Ben alors, c'est vous qui allez venir ici, comme ça. Ben oui, comme ça, vous partirez directement dimanche à l'église. Ben oui. Gênant. Oh, qu'est-ce qu'il y a de gênant là-dedans? Oh non, mais écoutez, mon vieux, nous sommes, vous et moi, des hommes de notre temps, que diable! Hein? Oui, mais oui! Ah, oui.
Oui. Mais bien sûr qu'elle est d'accord. Hein, il manque confirmation. Mais oui, mon chéri, je suis d'accord. Oui, à demain. Alors voilà, hein, je vous assure qu'elle n'avait pas le canon de mon revolver braqué sur la tempe. Non. Oui. Alors c'est entendu. Mais dites donc, démarrer dans ces conditions, passez donc me prendre à mon club. Ah oui, nous tournerons à la maison après. Oui. C'est ça? Bon, alors c'est ça. Ça s'appelle le club des Sycomores. Là, c'est situé juste derrière Westmount Square. Vous voyez? Oui. Oui, c'est ça. Alors, venez vers 10h, 10h30. Ça vous va comme ça? Bravo. Alors, bon. Démarrez. Oui. Ah bon, c'est ça. Bien. Écoutez, est-ce que vous jouez un petit peu au tennis? Oui? Ah, ben c'est merveilleux! C'est merveilleux! Alors, apportez donc votre raquette! Comme ça, nous ferons une petite partie, hein, pour nous dégourdir les jambes. C'est ça, en buvant un verre. Mais oui! Mais non, mon vieux, je suis ravi, au contraire! Mais oui! Ouais, c'est ça. Mais non, c'est merveilleux, je vous assure! Écoutez, je savais pas quoi faire de mon samedi, ça tombe vraiment bien, hein! C'est ça! Alors, c'est ça. Allez, à demain, mon vieux. Je vous embrasse. Eh bien, ma chérie, je pense que nous venons de faire un grand pas vers la lumière. Pourquoi as-tu invité Olivier à jouer au tennis avec toi? Tu penses que le bac devant les membres de ton club, cela va changer quelque chose? Bien, c'était pas tellement pour le battre, tu vois, mais je pensais qu'avec un petit peu de réussite, j'arriverais à lui envoyer une balle dans l'œil et nous mettrais tous les jours à lui faire des compresses. Et je t'imaginais, place Saint-Barth à Venise, en train de lui faire des compresses. Bon, n'en parlons plus. Tu trouveras autre chose, tu connais tous les trucs, mais cette fois-ci, tu ne seras pas le gagnant. Bon, bien moi, je m'en vais me coucher maintenant. Et n'oublie pas d'appeler ta secrétaire grimpeuse. C'est pas simple. Allô? Mademoiselle d'amour, oui. Et ici votre vénéré patron, Philippe Preston, oui. Mais oui, je sais, il est tard. Oui, je suis désolé de vous réveiller comme ça, en pleine nuit, surtout comme ça, oui. Mais j'ai une question importante et urgente à vous poser. Oui. Qu'est-ce que vous faites demain samedi? Ben oui, c'est ça la question. Vous ne faites rien? C'est merveilleux. Bon, alors, écoutez, je vous propose de venir passer la journée chez moi. Ben oui, à Westmount, oui. Oui, c'est ça, un petit travail à vous demander. Non, n'apportez pas votre portable. Non, n'apportez pas, je ne sais pas à quoi il pourrait servir. Oui, non, c'est pas pour jouer au bridge, non, c'est tout à fait différent. Mais oui, ma femme sera là, bien sûr. Non, écoutez, je vous expliquerai ça, tout ça, demain matin. C'est ça. Alors, surtout, n'oubliez pas d'apporter votre nécessaire pour passer la nuit. Hein. Il y a une ravissante chambre d'amis qui vous attend. Oui. Qu'est-ce que je préfère? Oh, écoutez, je vous fais confiance, je ne sais pas dans quoi vous dormez, mais ça doit être adorable, certainement. Oui. Alors, à demain matin, mademoiselle d'amour. D'accord. Au revoir. Et bonne nuit. Seulement faire le marin et tout sera prêt alors ou presque.
Monsieur Bourgeois vous aide au moins. Mon mari s'occupe du vin. Et que tous les anges du paradis le protègent s'il se met à les déguster. Comme la dernière fois pour faire que pour voir si ça goûte pas le bouchon. Bon, c'est pour où celui-là? Pour la chambre de Mademoiselle Dabour. Ben, c'est la secrétaire de mon mari. Enfin, mon pauvre agneau, appelons ça comme ça si ça peut vous faire plaisir. Et l'autre? Pour la chambre de M. Desmarais. Vous voulez dire celle de M. Preston? Non, celle de M. Desmarais. Mais puisqu'ils ont changé de chambre. Ils ont changé de chambre? Mais oui! C'est ce que monsieur m'a dit ce matin avant de partir pour son club. Il m'a dit, Madame Bourgeois, vous installez M. Desmarais dans ma chambre et vous transporterez mes affaires dans la sienne, à côté de celle de Mademoiselle Damour. Oui, il me l'a dit, mon petit. Et il a même ajouté, Madame Bourgeois, il va se passer des choses grandioses dans cette maison. Vous allez avoir droit à une grosse surprise. Là-dessus, ils m'ont même fait un clin d'œil. Un clin d'œil d'homme, quoi. Quelque chose de dégoûtant. Vous connaissez mon mari, Madame Bourgeois. Il adore plaisanter. Ah, mais mon petit, je connais ça, moi, les grosses surprises. Mon mari m'en a fait une dans le temps. Vous avez vu sa cicatrice ici, celle de son accident de bicyclette? Eh bien, la bicyclette en question, c'était la sœur du facteur. Je leur ai tombé dessus un jour dans la cave. J'ai empoigné une bouteille et pam! Je vous conseille de faire la même chose si vous voulez qu'on vous respecte dans votre propre maison. Vous faites erreur sur le compte de Mademoiselle Damour. Philippe est simplement en train de préparer une nouvelle émission. Il tient à avoir son secrétaire sous la main. Enfin, je veux dire, près de lui. Ou cas où il viendrait brusquement une idée. Ah, ça, pour lui venir, elle lui viendra. Oh, mais mon pauvre agneau, si vous êtes capable d'avaler des morceaux pareils sans vous étouffer, mais vous irez tout droit au paradis. Mais ça me fait bouillir le sang de voir qu'un homme puisse traiter pareillement une femme comme vous. Une sainte femme! Une sainte quand même! Oui, une sainte femme! Toute une vie élever vos enfants sans jamais regarder ni à droite ni à gauche. Et vous êtes tombée sur un détraqué pareil, et vous êtes... Mon mari, nullement détraqué, madame Bourgeois. Oui. Montez ses fleurs dans les chambres. Voulez-vous, ça vaudra mieux. Oh, que votre sainte patronne Elisabeth vous protège! Oh, 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 oh! Sans doute. Voilà, M. Preston. Mais oui, le voilà celui-là. Oh, il est accompagné par une créature. Oh, c'est sans doute cette Gisabelle, je suppose. Mademoiselle Damour s'appelle Rachel, madame Bourgeois. Oh, il s'arrête devant le garage. Il lui ouvre la portière pour qu'elle descende. Et allez donc, ça y est, les gens parlent en avant, bien sûr, jusque sous son nez. Madame Bourgeois, tout le monde descend les jambes par en avant. Je suis sûre que vous le faites vous aussi. Retournez dans la cuisine, voulez-vous? Mais j'y passe ma vie dans ma cuisine! Ah, mais voilà une autre voiture! Ah, ça c'est sûrement la BMW. C'est les belles, celle-là! C'est la BMW de M. Desmarais. Oh, mais dis donc, mon petit, mais c'est un très bel homme, ce M. Desmarais. Il est marié? Pas encore. Tiens, j'ai une idée. Vous savez ce que je fais de ça? Non, mais je sens qu'elle va savoir. Eh bien, j'essaierai de faire la conquête de ce monsieur Desmarais, juste sous le nez de monsieur Preston, pour qu'il se sente un peu chaud aux plumes. Je l'ai vu souvent dans les films à la télé, et dans les feux de l'amour. Et ça marche à tout coup. Seulement vous, je ne sais si vous saurez faire. Vous êtes tellement pur, mon pauvre agneau. Et voilà qu'on vous annonce, ma chérie. Entrez, mademoiselle. Attention à la marche, vous ne voulez pas arriver à quatre pattes. Voilà, ma femme, mademoiselle Damour, que j'ai recueillie grimpant la rue, la pauvre a pris le métro. Très heureuse, mademoiselle Damour. Enchantée. Madame Preston, votre mari m'a gentiment pris en voiture. J'avoue que c'est un quartier que je connais peu. Ah, on pourra dire au moins que ça vient commencer bien. À vous, démarrer, avouez. Attention à la marche. Pardon, je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolé, mon vieux nain de jeu. Je me suis demandé qu'est-ce que cette foutue marche faisait à cet endroit-là. Ça va, pas de bobo? Non, non, merci. Non, non, si vous saviez le nombre de types qu'on a vu arriver à plein ventre, qu'est-ce qu'on a pu rigoler, hein, chérie, hein, tu te souviens? Oui, non, bon, enfin, je ne vous présente pas, vous vous connaissez. Nous vous connaissons, oui. Bonjour, Olivier. Bonjour. Comment tout n'est pas fait mal? Vraiment, je t'assure.
Bon, à propos, qu'avez-vous fait de cette énorme chose que vous portiez en arrivant au club? Un cadeau qu'il veut nous faire. Tu vas voir, absolument vertigineux. Ah oui, vous n'avez pas perdu au moins. J'ai dû laisser dans la voiture, je vais dans ce. Non, allez, laissez faire, j'y vais. Attention, pas d'imprudence, hein, parce que, vous savez, elle ne vous rattraperait pas deux fois de suite. Mais qui? Ça marche, hein. Bon. Oui, et surtout, ne vendez pas la mèche, hein. Le suspense. Ah, il y a que ça, le suspense. Votre mari est vraiment très joyeux. N'est-ce pas? Vous avez bien trouvé le club de Philippe? Mais oui, sans aucun problème. Westmont, c'est un endroit si agréable et reposant. Ah, mais il faut bien le connaître. C'est un quartier bien loin de Pointe-aux-Trembles où j'habite. Ah, je n'extasie pas facilement, Madame Présidente. Ah, mais vous avez vraiment une maison agréable. On se croirait loin de toute agglomération. On sent aussi que chaque objet n'est pas là uniquement parce qu'il est cher ou parce qu'il est beau, mais parce qu'on l'a aimé. Vous ne trouvez pas, M. Desmarais? Oui, c'est ravissant. Vous avez dû courir les antiquaires pendant des années, vous et M. Preston, pour assembler toutes ces jolies choses. Ah, ça, oui. Vous savez, les débuts de Philippe n'ont pas été très faciles. Nous n'étions pas très riches. Mais lorsque nous avions découvert un bibelot ou un meuble qui nous plaisait vraiment, alors là, on prenait plaisir à se priver d'un tas de petites choses pour se procurer. Oh, ça pouvait être du parfum, du whisky. Oh, c'était des jeux idiots, de simples jeux de gamins. Ah, de bien jolis jeux, Madame Preston. N'est-ce pas, M. Desmarais? Oh, vous savez, moi, mademoiselle d'amour, j'ai toujours gagné trop d'argent pour apprendre au moindre romantisme. Dès que je vois quelque chose qui me plaît, je signe bête un chèque ou je sors ma carte de crédit. Et on me livre à domicile. Mais si vous faites le plaisir un jour de bien prendre un verre à mon appartement, vous verrez que c'est une méthode qui apporte aussi des résultats satisfaisants. Je n'en doute pas, M. Desmarais. Mais avoir tout de suite ce dont on a envie, c'est un peu comme si on retirait le désir de l'amour, non? Non. C'est comme si on retirait une file d'attente devant un cinéma quand vous avez envie de voir un film. Tout simplement. Et voilà le colis annoncé. Ah, dis donc, mon vieux, hein, soit dit sans reproche, hein, mais votre bagnole est interminable. J'ai fini par le trouver dans ma pièce du fond. Et alors, si vous devinez ce que c'est, vous en aurez une cuillère de plus, mademoiselle. Du caviar. Et oui, vous avez gagné, c'est du caviar. Oui, je ne sais combien de kilos de caviar, chérie. Un kilo seulement, Preston. Mais vous savez maintenant, ils mettent la boîte dans une boîte pleine de glace pilée. Et tout dans une troisième boîte, alors naturellement, ça paraît énorme. Ah, regarde, rien que des boîtes, quoi. C'est une idée adorable, Olivier. J'adore le caviar. Mais c'est vrai. Comment avez-vous fait pour deviner ça me renverse, hein? Eh bien, mes enfants, un petit coup de vodka par là-dessus, je pense que ça va être le pied. Hein? Oh, chérie, veux-tu aller porter à Madame Bourgeois et explique-lui bien que c'est pas pour cirer les souliers. Hein? Et dis aussi à Monsieur Bourgeois de monter les bagages dans les chambres. Hein? Et, si toutefois sa colonne vertébrale n'élève aucune objection. Hein? Merci, chérie. Merci, chérie. Merci. Ah, stupéfiant, hein? Mais quoi? Lise, hein? Le shérif fait ci, le shérif fait ça, et hop, c'est fait! Ne croyez pas que c'est dans le numéro que nous avons monté en votre honneur. Non, 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 elle est comme ça, rapide, efficace, et silencieuse, hein? Et j'ajoute même tout à fait raisonnable au chapitre de la consommation. Pardon? Ah oui, mais pas du tout le genre à croquer des diamants au petit déjeuner ou alors à se promener vêtu de peau de bête absolument ruineuse. Non, non, pas du tout, pas du tout. Enfin, vous verrez. Écoutez, Preston, je trouve cette conversation tout à fait déplaisante. À cause de la présence de mademoiselle d'amour, mais enfin, voyons démarrer, c'est tout depuis longtemps. Hein? Eh bien oui, bien oui. Hein? Elle vous a vu. Oui, dans cette agence de voyage, tout à fait par hasard, dans cette agence de voyage où vous étiez en train de réserver des places pour Rome. C'est impossible. Impossible? Ah bien, vous en doutez, mademoiselle. Oh, monsieur Preston. Vous en prie. Allons, c'est un effort. Ouais. Allez, bien, allez, attention, concentrez-vous bien, mademoiselle. Allez, vous êtes avec moi, vous êtes bien concentrée. Mm-hmm. Alors, la date et l'heure de l'événement, je vous prie. Mercredi 17 juin, 15h30. Bravo, le lieu d'événement. Agence de voyage Atlas, 1871, rue Chapeau. Bien, bravo. Oui, maintenant, attention, la tenue du monsieur et celle de la dame. Tout à fait correct. Non, je veux dire, l'événement. Oh, robe à lainage léger de Florence Will, teinte à menthe grillée, avec ceinture en lézard naturel et sac assorti pour Madame Preston.
Costume Armani gris, à petite rayure blanche, souliers noirs, pour Monsieur Desmarais. Oui. Bon, attention maintenant, une dernière question, mademoiselle. Concentrez-vous bien. Je ne sens pas votre fluide, mademoiselle. Concentrez-vous. Bien. Alors, attention. Renseignements sur le vol, vite. Deux places, première classe sur Air Canada. Direction Rome, vol du dimanche, Pierre-Éliott Trudeau, 16h45. Bravo, mademoiselle. Eh, il n'y a aucun truc, je vous assure. Je crois content qu'il y en a un, Preston, mais je le trouve assez peu glorieux. Vous m'avez suivi, madame. Moi? Quitte à vous paraître immodeste, monsieur Desmarais. Je vous affirme que ce sont plutôt les hommes qui le suivent. Oh, regardez-la, regardez-la. En moins de 3 minutes, elle vous mettrait n'importe quelle rue de Montréal en sens unique. Le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, hein? Oui. Ah, mais écoutez, faites-nous un petit sourire, oubliez ça. Et n'oubliez pas que vous êtes un des hommes les plus séduisants de Montréal. Pardon? Ah, mais oui, ben, je ne fais que répéter ce que Lise m'a déclaré hier soir. Et j'ajoute que plus je vous regarde, plus ils sont amis. Oh, j'en prie! Mademoiselle, franchement, hein, comment trouvez-vous notre ami? Je ne connais pas tous les hommes de Montréal, naturellement, mais je trouve M. Desmarais tout à fait charmant. Oh, oh! Vous avez entendu ça? Pas assez charmant, pas plutôt charmant, pas même vraiment charmant, non. Tout à fait charmant! Oh, sacré Lénard, sacré Lénard. Bon, bah, dites donc, j'allais oublier. Attendez, prenez ça et n'oubliez pas de l'emporter dimanche matin en partant. C'est pour Lise. Mais qu'est-ce que c'est? Du méthanone, un reconstituant de la cellule nerveuse. Oui, je l'ai pris un flacon ce matin en allant au club, oui. Ah, mais remarquez, elle va très bien. Non, elle va très bien. Non, elle va bien. Elle va bien, va bien, va bien. Oui. Bah, comment on peut aller à partir de cet âge-là, hein? Mais elle est très sensible aux contrariétés, aux déconvenues, aux déceptions, enfin tous les trucs de ce genre-là. Ça la déprime. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. 10 gouttes de méthanol dans un demi-verre d'eau, elle se remet à briller comme un soleil. Hein. Et si elle fait des difficultés pour l'avaler, alors vous n'hésitez pas, vous faites comme moi, vous lui pincez le nez, ça lui fait ouvrir la bouche. Bien. Eh bien mes enfants, je pense qu'il est temps de nous plonger dans quelque chose de viril. J'ai là à peu près tous les poisons qui conduisent lentement à la folie. Vous avez une préférence, mademoiselle? Le chéri. Le chéri, ah, voyons. Ah, en voilà un ici, ma chère enfant, qui est assez vieux pour être votre père. Ah, voilà. Un chéri pour vous. Tenez, mademoiselle, goûtez-moi ça. Vous allez m'en donner des nouvelles, c'est absolument merveilleux. Et vous? Pas très volontieux, Scotch. Un Scotch, ben comme moi. Un Scotch avec de la glace. Ah. Ah, vous savez, c'est un excellent Scotch. Hein. Moi, je connais ça, c'est de famille, vous savez. Voilà. Avec de la glace. Hein. Ah, voilà. Oh. De la glace de rivière, mon vieux. Hein. Vous êtes amateur de glaçons? Ah, vous allez vous régaler. Hein. Ça, c'est autre chose que les glaçons faits avec l'eau du robinet, hein, vous savez. Voilà. Une merveille. Bah, c'est bien simple. J'arrive à les penser en scotch. Hein. Ma chérie, vite, tu arrives à temps pour la distribution. Ça va, j'observais moi-même. J'ai bien peur qu'il va nous falloir patienter encore quelques temps. Madame Bourgeois a quelques ennuis avec le canard. Oh. Le canard, évidemment un canard. Non mais c'est que c'est terrible un canard quand ça s'y met, hein. Nous en avons connu un, lisez-moi, oui, en Écosse, dans une auberge dans le Loch Ness. Une charmante petite auberge pour amoureux, mon vieux. Avec une chambre, enfin vous voyez le genre, hein, la chambre, un véritable petit nid d'amour. Hein. Ah, ah. Enfin, mais le canard, terrible, il a fallu l'entamer à la scie. Mais oui, mademoiselle, mais oui. Hein, chérie, tu te souviens? Pas du tout. Non? Ah, mais si, voyons, c'était pendant le 3e ou 4e voyage de noces. Cela n'intéresse personne. Vous avez fait plusieurs voyages de noces, monsieur Preston. 6, mademoiselle, 6. Pendant 6 ans, nous sommes partis, lisez-moi, pour une destination différente, à chaque anniversaire de notre mariage. Oui. Bon, nous appelions ça notre retour aux sources, une idée de Lise. Oh, une idée adorable, n'est-ce pas, monsieur Desmarais? Tout à fait adorable. Bravo, Lise. Mon Dieu, il faut lui en faire 6 pour en faire un à peu près normal. Je vois vraiment Ingrat, franchement, mais enfin, ouais. Bon, qui veut un verre? Ah, moi je veux bien ce chéri de chef-d'œuvre. Oui, ben, je vous avais fouillé. Ah! Vous avez la descente à
Et vous démarrez, vous piquez au truc. Parfois, oui. Oui, ben, donnez-moi ça. Bon, ah, c'est que, vous savez, nous avons pris une sacrée suée en jouant au tennis hein, ce matin. La plus belle de ma vie. Tu as joué au tennis contre Olivier? Oh oui, bah tu sais, ça a été vite fait. Hein. 3 petits sets. 6-0, 6-0, 6-1. Bravo! Tu vas être fier de toi! Oh ben écoute, chérie, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Peut-être qu'il n'a pas eu de chance, surtout dans ses services. À mon avis, Preston, vous ne serrez pas assez votre raquette. Oui, hein. Remarquez, moi j'ai toujours pensé que le tennis serait un jeu beaucoup plus agréable si on supprimait la raquette et le filet. Tu veux dire que c'est Olivier qui t'a battu? Battu? Oh, il m'a roulé dans la poussière. T'aurais dû voir ça. Un vrai ouragan lâché sur un pauvre Haïti. Hein. Mais ça, j'en reviens, Père Preston. Vous m'avez tout de même donné du fil à retard. Ah oui. On voit tout de suite que vous avez dû jouer assez bien. Ah. Dans le temps. Et depuis, vous êtes rouillé, naturellement, mais c'est normal. Oui. Être ou avoir été, hein. Voilà la question, mon vieux. Oh, mademoiselle, excusez-nous pour cette conversation exclusivement masculine. Mais ce sont celles que je préfère, monsieur Preston. Ah, oui. Oh, et j'adore le sport. Oh, j'estime que c'est dans un stade que l'homme trouve sa vraie dimension. Ah oui, dans un stade. Ah oui, vous prenez votre dimension dans un stade, vous? Ouais, écoutez, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Et les fleurs, ouais. Est-ce qu'il vous reste du temps pour aimer les fleurs? Ah, oh, dans un autre ordre d'idée, je les aime également, beaucoup. Eh bien, est-ce que vous voulez voir les plus belles roses de Montréal? Ce sont celles que Lise cultive dans ce qu'elle appelle son jardin secret. Vous avez des fleurs sous vos fenêtres, des marais. Dans des pots, vous voulez dire? Bien non. Ah, bien, vous en aurez. Ah, ça, oui, vous en aurez, hein. Et attendez-vous à voir prochainement des volubilis s'enrouler autour des robinets de votre baignoire. Hein. Les fleurs naissent sous les doigts de Lise, comme les étoiles sous les doigts de la nuit. Oh, vous dites des choses si ravissantes, monsieur Preston. Toujours, mademoiselle, toujours, après mon deuxième verre. Et je vous en dirai des tas d'autres si vous étiez assez naïf pour m'accompagner parmi les Corylus purpurea, les Cratocus violets, les Véronica Spitacae et les Azalées Sibelius de Lise. Lise, tu veux bien que je monte tout ça, mademoiselle? Mais naturellement. Alors, allons-y, allons-y. Allez, prenez votre verre. Appelez-vous. Oui. Et faites attention à la marche, elle est aussi mal intentionnée d'un côté que de l'autre. Oui, je vous rejoins tout de suite, je vous rejoins tout de suite. Oh, non mais, vous avez vu ça, hein. C'est autre chose que Cardinal Turcotte. Hein. Mais de quoi parlez-vous? Ben, je parle de mademoiselle d'amour. Oh, cette femme est pétrie de sucre et de miel comme le ketchup, mon vieux. Et depuis qu'elle a fourré son nez au quatrième étage, elle est folle de moi. Tu as vu, chérie, tu as vu comme elle me dévore des yeux en cachette. Oh, c'en est même embarrassant. Oh, et cette façon de marcher, en se balançant comme une grande fleur. La fleur de la passion a laissé tomber une larme et toutes les roses rouges se sont mises à saigner. Attends-moi, ma colombe, laissons saigner les roses rouges. C'était de Tennyson. Pardon? Le poème qu'il a dit en sortant, c'était de Tennyson. Ah bon, je ne savais pas qu'il était poète. Votre mari, je veux dire. Bien qu'il se conduise plutôt bizarrement. Tu as remarqué, hein? Écoute, c'est assez remarquable. Sais-tu que quand je suis arrivé à son club ce matin, c'est tout juste s'il ne m'a pas embrassé. Dire qu'il a été cordial serait injuste. Il était, comment dire, affectueux. Est-il toujours expansif à ce point-là? Avec le caviar, oui. Quant à la manière qu'il a de regarder sa secrétaire comme si elle se promenait toute nue, je la trouve déraisonnable. Compréhensible, certes. Mais déraisonnable. Si je comprends bien, tu admets qu'on a pu regarder dans ma tête d'amour sans l'imaginer toute nue. Dois-je comprendre que cela t'est arrivé à toi aussi? Ce matin, oui. Puis-je te rappeler que c'est avec moi que tu pars pour l'Italie demain? Crois-tu, Lise, que je suis parti pour l'Italie sans toi? Me crois-tu homme aéré dans les galeries du Vatican ou sous les arcades de Placerva, sans avoir la certitude qu'au bout de tout cela, il y aurait toi chaque nuit en récompense? Alors, Lise, toi, mets-toi jalouse parce que j'ai imaginé ma voisine de la mère. Comment penses-tu que je vous ai imaginé derrière votre chandelier lors du dîner chez les Bronfman? Oh, Olivier, je l'ai dit, tu dis des horreurs, mais tu les dis si bien. Oh, bon de moi, ma petite famille ridicule. La vérité, c'est que je me sens terriblement crispée. Mon Dieu, pourquoi es-tu venue, Olivier? Mais ma chérie, parce que tu me l'as demandé. Oh, c'est vrai. Oh, mais alors, il ne fallait pas m'écouter. Il fallait te montrer plus raisonnable que moi et ne pas venir. Olivier, je suis sûre qu'il nous tend un piège.
Ton mari? Oui. Le pauvre, il en est incapable. Incapable? Tu ne connais pas Philippe? L'année dernière, il a réussi encore à faire bâtir une chapelle par la Banque Royale. Mais de toute façon, ma chérie, on ne prend pas au piège un agent de change. Si tu le connaissais comme je le connais, il est plus rusé qu'un chef indien. Réfléchis. Il sait que tu es mon amant. Il t'accueille les bras ouverts comme un enfant rescapé de naufrage. Pourquoi? Et pourquoi tient-il tant à aller dans le lit de cette horrible Mademoiselle d'Amour? Il veut aller dans le lit de Mademoiselle d'Amour avec Mademoiselle d'Amour? Évidemment. Et tu me demandes sérieusement ce qu'il compte y faire? Oui. Bon, il dit que c'est pour que Madame Bourgeois les découvre ensemble demain matin. On en a emporté le petit déjeuner. Pour qu'elle puisse témoigner au juge des divorces. Il veut prendre tous les corps à sa charge. Alors, chérie, plaît-toi. Mais si tu connaissais comme je connais, c'est... Philippe n'est pas le genre du tout de mari à vouloir rendre le service de cet ordre. Ça te cache sûrement quelque chose. Et si tu le connaissais, vraiment, tu te rendrais compte que tout ce qu'il fait depuis les dernières heures est éminemment suspect. À commencer par cette fameuse partie de tennis que tu penses avoir gagnée. Mais ma chérie, j'ai vraiment gagné avec un certain million. 6-0, 6-0, 6-1. Mais parce qu'il l'a fait exprès! Exprès de se faire battre devant les membres de son club par la main de sa femme? Alors oui, j'essaie de dire des choses sensées. Ton mari transpirait à grosses gouttes. Peut-être parce que c'est assez éreintant d'essayer d'envoyer des balles dans le filet plus que toi. Cesse de faire la roue, Olivier! Philippe, à 55 ans, est encore classé en deuxième série. Dans le milieu de la deuxième série, ce qui signifie que dans tout le Québec, pas dans tout le Canada, il n'y a pas plus que 50 joueurs capables de battre. Eh bien, maintenant, ça en fait 51. Mais ça paraît ridicule. Qui as-tu battu récemment? Peut-être à Port-Tatan de Sidonie. Premièrement, je n'ai pas de dent de Sidonie, ma chère, et tu deviens franchement désagréable. Pardonne-moi, mon chéri, mais je voudrais tellement que tu comprennes qu'il s'est moqué de toi. Mais on ne se moque pas de moi. Et aussi invraisemblable que ça puisse te paraître, j'ai battu ton mari. Et pas seulement au tennis, mais aussi aux échecs. Aux échecs? Mais oui, ce matin même, après notre partie de tennis. Mais je dois dire que je ne pratique, pour ainsi dire, jamais ce jeu. Mais je dois avouer, je me suis rendu plutôt brillant. Écoute, ce pauvre Preston s'est effondré en moins de 20 minutes. Connais-tu Igor Andriev? Oui, c'est un romancier russe. Non, pas celui-là. Igor Andriev est un jeune prodige qu'on considère comme le futur champion du monde des échecs. L'année dernière, il est venu faire une tournée au Canada. Et Philippe a eu la chance de jouer contre lui à Ottawa. Il a fallu 3 heures à Igor Andreev pour battre Philippe. Tu vois bien que toi, t'as pas pu le battre en 20 minutes. Pas plus que tu pourras le battre en 20 ans. Mais j'ai tout de même battu, c'est d'une évidence. Mais t'as fait... Et je m'étonne qu'il te soit aussi pénible de l'admettre. Mais t'as vraiment une tête de mille. Et une grosse vanité qui ferait bougir un chanteur de charme. Oh non, tu l'as pas battu, il s'est laissé battre. Mais je devrais te demander pourquoi je voulais être là comme un grand bonnet à tirer les feux d'artifice. Oh, mon Dieu, excuse-moi, mon chéri, c'est pas ce que je voulais dire. Le misérable, il a au moins réussi ça. Mais quoi? Mais c'est notre première commande, mon chéri. Je me sens comme une petite feuille, moi, là. Me voilà, mon petit. Vous avez besoin de quelque chose? Non, madame Bourgeois. Vous ne m'avez pas appelé. Non, je ne vous ai pas appelé. Eh bien, je le réjure. Encore mes vieilles oreilles qui vous détournent. Mais tandis que vous êtes là, madame Bourgeois. Ah, voilà le monsieur qui a pris la place de monsieur. Pardon. Madame Bourgeois veut dire simplement que Philippe a eu la gentillesse de te céder sa chambre. Ah bon? Et monsieur est allé dormir dans la chambre d'amis, juste à côté de celle de son propriétaire. Un hasard, naturellement. Mais il faut bien qu'il dorme quelque part. Madame Bourgeois, comment ça va avec le canard? De ce côté-là, tout aurait plutôt tendance à bien s'arranger. De toute façon, ce n'est pas pour tout de suite. Vous avez bien le temps. Courage, mon pauvre agneau. C'est cette madame Bourgeois qui doit surprendre ton mari demain matin dans le lit de Mme et te servir de témoin. C'est elle, oui. Heureusement, il n'y en a qu'une. Ben moi, je la trouve très bien. Je suis sûr qu'elle impressionnera le juge. T'en prie, parlons d'autre chose. Mais c'est très important, ma chérie, bien à propos. Elle ne se doute de rien si vous concerne, toi et moi. Pas du tout. Toute son attention est accaparée par la beauté pulpeuse, mademoiselle d'amour. Moi, elle me prend pour une sainte et elle m'appelle son pauvre agneau. Ah, mais c'est amusant. T'en prie, c'est pas que je m'ennuie, mais tu sais comme j'adore ce genre de comédie. Comique. Excuse-moi, j'ai pas l'air.
Martin. Mais pourquoi ne prends-tu pas un peu de méthanol et que ça te musique? Je ne plus. Tenez ma chienne. En voilà. Oh, tu y as pensé. Tu dis, tu l'as acheté ce matin? C'est-à-dire que c'est Philippe. Comment c'est Philippe? Oui, il l'a acheté tout à l'heure, il m'a donné au cas où, après pour un voyage. Mets ça dans ta poche. Mais on va faire chez les Sylvia, il n'y a pas de sorte de méthanol. Mets ça dans ta poche. Oh, au secours! Oh, au secours! C'est affreux, c'est affreux! Mademoiselle d'amour, mademoiselle d'amour! Mais quoi, mademoiselle d'amour? Mais où est-elle? Allongée sur le banc de jardin! Mais quoi? Oh, il est à craindre que la pauvre femme ait été piquée à la jambe par une guêpe. Oh, faire des corps pareils pour une guêpe! Mais écoute, si tu la voyais, ben, tu la reconnaîtrais plus, là. Elle est en train de dicter ses dernières volontés à un massif de flocculage japonica. Bon, enfin, tu aurais pas tomate quelconque. Ce qu'il me faut, Preston, c'est de l'ammoniaque. Ouais, vous aimez ça, vous, le cagnard à l'ammoniaque, et on va passer à table, mon vieux. Non, alors, n'importe quoi sauf chose. Je vais chercher le tube d'apicaille. Oui. On est bien. Démarrez. La première guêpe de l'année, ça s'arrose. Hein. Vous prenez un verre. Mais j'en ai déjà plus tôt. Oh, écoutez, tant que vous pouvez les compter, c'est pas grave. Et excusez-moi de vous avoir bousculé comme ça à l'instant, là, parce que... Enfin, vous savez ce que c'est, hein. Avec ces trucs-là, le plus important, c'est la rapidité des premiers secours. Hein. Enfin, j'espère qu'elle va s'en sortir. Parce que, vous savez, je fonde de grands espoirs sur elle. Oui, je sais, oui, Mario Corin. Pas bêtement idée, hein. Et en plus de ça, elle arrange un peu tout le monde. Hein. Ben, vous, Élise, pour commencer, vous êtes à vous qui est folle de noix. Madame Bourgeois qui va pouvoir s'acheter un nouveau chapeau pour parader devant le juge. Et même Monsieur Bourgeois qui va en profiter pour ranger la cave. Ça ne me regarde pas, naturellement, mais les gens qui gaspillent leur argent me rendent malade. Avez-vous pensé à ce que cette histoire avec Mademoiselle d'Amour risque de vous coûter? En pension alimentaire. Oh, tu es mon vieux. Hein, vous prenez déjà en charge ma femme et mes deux enfants, je peux bien faire un petit effort. Hein. Vous savez, à votre place, j'essuierai ça tout de suite. Mais quoi? Les traces de rouge à lèvres que vous avez là. Oui, parce que si Madame Bourgeois vous voit comme ça, ça flambe tout par terre. Hein. Oui, frottez, de l'autre côté. Voilà. Merci, Vincent. Oui. Ah, ben, vous savez, moi j'ai toujours été pour la solidarité masculine. Hein. Et puis il faut bien dire que Lise, un petit côté panthère, tout à fait excitant. Oui, mais déconcertant. Oui. Ça me rappelle la première fois où elle m'a embrassé. Ah, oui. Ah, mais ce que j'appelle embrasser, hein. Le baiser qui compte. Oui, vous étiez en Écosse, sur les bords du Loch Ness. Je visais la voiture, à un moment donné, j'arrête pour allumer une cigarette, et là voilà mon vieux qui me tombe dessus. Alors qu'il tombe dessus, mais comme la foudre, hein, comme la foudre. Ah oui, alors tout a brûlé, hein, mon briquet, mes cigarettes, mon bouton de col de chemise, enfin tout. Oui. Elle m'a même ébranlé une dent. Ah oui, oui. Elle bouge encore, ah oui, elle bouge encore, mais regardez ça. Bon, je la garde en souvenir. Oui. Félicité dimanche. Enfin, vous savez, je ne regrette rien, hein. Ça c'était merveilleux. Sacré Élise. Hein. Écoutez, Preston, ce genre de conversation est tout à fait désagréable. Oui. Ah, mais oui, mais regardez ce que ça a donné. Regardez. Hein? Deux charmants enfants. Eh oui. Celui qui a les cheveux longs, c'est le garçon. Oui. Pour le moment, il écrit de la musique pop. Oh, remarquez, tant qu'il ne la joue pas dans votre salon avec ses petits copains, ça peut aller. Non, ça peut aller. Et la fille, ah Isabelle, elle n'a pas son pareil pour organiser des parties. Ah oui, oui. Vous arrivez chez vous le soir en vous disant que vous allez vous emmerder tout le reste de la soirée. Et alors, vous tombez sur une cinquantaine de jeunes affalés dans vos sofas, investissant vos chambres, buvant et fumant je ne sais quoi. Enfin, je ne vais pas vous faire l'article, vous verrez bien par vous-même. Hein. Ah, Lise, vous étiez dure, enfin, mademoiselle d'amour, je ne sais pas comment je vais la retrouver, moi. Je suis passée par la cuisine en descendant. Bon, et tu as des nouvelles du souper? Madame Bourgeois a bon espoir. Encore quelques minutes. Ah, tu as besoin de moi? Non, je peux très bien l'apporter toute seule. Sinon, je ferai deux voyages. Qu'est-ce
qu'il t'a dit encore? Rien. Je vois bien qu'il t'a dit quelque chose. Va te poser mes études, maman, et rassure-toi, il en a gardé un souvenir ébloui. Et tout à fait flatteur en ce qui te concerne. J'ai été mariée pendant 20 ans, ce monstre. Je dois bien t'avouer. T'as douté que je l'ai embrassé 2-3 fois? Ben oui, bien sûr, mais c'est stupide, mais j'y peux rien. Ça n'a tout de même pas quelque chose. Oh, tu es trop vulnérable, mon chéri. Et quel premier baiser d'abord? Celui de la plage en quartier? Non, il paraît que celui-là s'est déroulé sur les bords du lac Ness. Oh, je me souviens. Il m'avait fait visiter 2 distilleries de whisky le matin même. Toi, t'as commis une écossaise de mon whisky. Et j'avoue que j'étais un peu survolté. Mais je te demande aucune justification, ma chérie. Après tout, il était ton mari. Il est normal qu'une jeune femme embrasse son mari. Par contre, ce qui est désagréable, c'est qu'il vienne me le raconter de long en large. Mais tu avais pas seulement de le raconter. Tiens, t'en as eu un, toi aussi, un premier baiser. Oh non! Surpris! Ne me fais pas la tête! Je te fais pas la tête, mais je reconnais que j'ai été plutôt remué. Je m'attends la prochaine fois qu'il se lance dans le récit de votre voyage de noces. Et comme vous en avez fait 6... Mais c'est pas des vrais, je te le jure, c'est pas des vrais! Mais j'en veux tout de même que cette épreuve soit au-dessus de ma patience. Écoute, j'ai une idée. Allons-nous-en. Maintenant, tout de suite! Mais non, mes bagages! L'Italie en est pleine, pleine aussi de bijoux, de vêtements, de chaussures. Allons-nous-en, je sens que c'est très important pour nous. Allons-nous-en tout de suite. Viens, mes chéris. Non, Olivier. Oui, pourquoi? Donne-moi une raison, une seule. Et parce que ce serait lâche, et puis, si nous ne sommes pas capables d'endurer cette épreuve encore quelques heures, cela voudra dire que nous ne pourrons rien supporter ensemble. Je partirai bien avec toi, tel que promis, demain matin, mais pas avant. Je n'aime pas les mauvais souvenirs, je ne veux pas avoir l'air de me sauver. Tu as peut-être raison, mais d'après moi, ça ne sera pas facile. Oh, je sais, le bonheur n'est jamais facile. Doucement, doucement, mademoiselle. Attention à votre chère petite jambe. Appuyez-vous sur votre bâton, chère petite secrétaire. Attention à la marche, oui. Voilà. Ah, vous êtes très gentil, monsieur Preston. Mais je vous assure, je peux très bien marcher toute seule. Non, 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 pas d'héroïsme inutile. Tenez, je vais vous installer sur le sofa. Voilà, voilà. Et comment vous sentez-vous? Ah, beaucoup mieux, merci. Oh, je suis désolée, madame Preston. Vous pouvez m'excuser. Je suis en train de vous gâcher votre journée. Mais non, c'est moi qui suis désolée. C'est la première fois que quelqu'un se fait peur. Se fait piquer dans une guêpe dans un bon jardin. Ah oui? Ah mais non, mais tu penses bien que c'était pas une guêpe de chez nous, hein? Ouais, bien sûr, de chez notre voisin, là, cet imbécile de Tremblay. Non, mais il a des guêpes stupides, ce type-là. Je les vois le matin, là, sont alignées sur le muret, là, de Darnoux, elles attendent pour piquer. Non, mais. C'est pas étonnant, hein? C'est pas étonnant, non, c'est pas une vraie race. Non, c'est pas une vraie race, c'est juste un croisement, je crois, de chèvre et de mouche. J'ai fait des safaris 5 ou 6 fois d'Afrique centrale sans la moindre émotion. Mais les insectes me font une peur bleue. Plus c'est petit, plus c'est méchant. Vous avez dû avoir horriblement mal. Oh, sur le moment, oui, mais maintenant, je ne sens presque plus rien. C'était où, à peu près, la piqûre? Oui. Ah, mais moi, j'ai dû tout de suite arracher l'aiguillon. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, j'ai été très efficace, absolument efficace. Quand je vois un aiguillon, bah, je l'arrache. Hein. Ah oui, tout de suite, oui. Et un petit peu de pommade. Hein. Et pour terminer ben, un petit massage léger en montant. Hein. Ah, c'est... Mais, il ne paraît plus. C'est vrai, bon, il n'y a vraiment aucune place. On se demande où vous avez été. Ah, c'est du genou. Oui, à 40 cm au-dessus du genou, oui. Bon, chérie, tu devrais en profiter pour montrer sa chambre à mademoiselle. Ah, ben oui. Vous venez? Je passe devant. Oui. Très volontiers. Ah, vous ne voulez pas que je vous porte? Ah, je vais pouvoir me déplacer toute seule. Merci. Bien, bien. Alors, démarrez. Vous prenez un verre, démarrez. Oh, là, j'ai plus soif. Oh, vous savez, de tous les animaux de la création, l'homme est le seul qui puisse boire sans avoir soif. Hein, vous savez. Et faire l'amour sans avoir envie, hein, vous savez. On sert ça tout de suite. Ah, dites-moi, démarrez. Vous ne voulez pas m'appeler Philippe? Comme ça, ben, je vous appellerai Olivier. Ah, franchement, Preston, il n'y a vraiment aucune raison. Non, si, si, bah, je vous demande pas, bon, pardon, il y en a une. Vous appelez Olivier, je m'appelle Philippe. Bien, et puis nous allons nous voir souvent, maintenant. Hein? Mais oui, mais oui. Lise m'a dit que vous comptiez bien que j'aille à votre propriété des cantons de l'Est de temps en temps.
Ah oui, c'est vrai. Bon, eh bien, c'est entendu. Preston, je vous appellerai Philippe. Merci, Olivier. Par la même occasion, on se tutoie. Stivo, si tu veux, Philippe. Tu sais, Preston. Ah, Philippe. Tu sais que je commence à me poser de sérieuses questions en ce qui te concerne. Je me demande, par exemple, si tu n'es pas un peu fou. C'est bien possible, mon vieux, hein? Oui, d'ailleurs, qui est fou qui ne l'est pas, hein? De quel côté du mur de la ville se trouve-t-on dans cette petite vie, hein? Ah, bien difficile à dire, hein? Tu connais celle du pigeon? Celle du pigeon. L'histoire du pigeon. Je la connais pas. Faut que je raconte ça, oui. C'était un ami psychiatre qui me l'a raconté. Oui, oh, il se sentait pas très bien lui non plus. Alors voilà, ça se passe dans un asile. Alors, il y a une infirmière qui est en train de se promener avec un malade. Elle le tient en laisse, naturellement. Il n'est pas complètement guéri. À un moment donné, il passe sous un arbre. Et sur la branche de cet arbre, il y a un pigeon. Mais au moment où il passe sous la branche, le pigeon laisse tomber... Enfin, elle laisse tomber quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je m'en serais bien passé. Ah oui, mais alors, énorme. Et ça vient s'écraser en plein sur la tête du fou. Mais nom de Dieu, crie fou à l'infirmière. Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'essuyer? Ben, je voudrais bien, dit l'infirmière, en regardant le pigeon, mais le règlement intérieur interdit aux infirmières de grimper aux arbres. Elle est bonne. Moi, je me relève la nuit pour me la raconter, si vous voulez. Elle est bonne. Oh non, elle est bonne. Quand on la comprend. Et mon cher ami, voilà la question piège dans cette histoire. Qui est fou? Toi, que ça ne fait aucun doute. Ah, chérie, bon, alors comment Mademoiselle d'Amour a trouvé sa chambre? Merveilleuse. D'après ce qu'elle a dit, c'est la chambre la plus adorable dans laquelle elle ne sera jamais rentrée. Bon. Elle descend dans 2 minutes. Et comment elle se sent? Est-ce qu'elle t'a montré sa petite piqûre? Oh oui. Et je suis certaine qu'elle va montrer jambes et cuisses à tout Radio-Canada. Oh, chérie, juste au membre du conseil d'administration, au directeur de service. Bien. Tu veux un verre? Non. Non. Bon, allez, puisque c'est ça, qu'est-ce que je vais faire? Tu ne penses pas que tu pourrais aller monter sa chambre à Olivier? Peut-être que lui, il a le goût de... Bon, ben, tu de penses... défaire ses valises et ses valises aussi. Ouais, mais tu ne penses pas qu'il préférait que ce soit toi qui tienne la main? Oh, je t'en prie! Et si j'y allais toute seule, où est-elle, ma chambre? Au premier étage, au bout du couloir, à droite. Attention, ne te trompe pas, Olivier, parce que à l'étage du dessus, tu risquerais de te jeter dans les jambes de Mademoiselle d'Amour, ce qui changerait totalement l'ordre des facteurs, alors attention. Vous m'amusez de moins en moins, Preston. Philippe. Mais qu'est-ce que c'est? Un peinture de vin, je ne vois plus rien. Qu'est-ce que c'est? Mais des fleurs, on dirait. On vient tout juste de les livrer. Jeune garçon avec une casquette des Canadiens. Et du coup, je lui ai donné 10 $. Oh, regardez, mon petit, comme elles sont belles. Je n'avais pas vu des pareilles depuis la mort de cette pauvre Madame Grasso, la mère de notre cher curé. Comment, c'est toi? Bien, oui, chérie, oui. J'ai pas pu résister en passant devant la boutique du fleuriste ce matin. Alors, ben, posez ça quelque part, vous qui a posé ça là, madame. Bonjour. Allez. Ben, vous dépêchez-vous tout de même. Vous êtes empruntée, disons. Alors, les rouges, chérie, les rouges, elles sont pour toi, naturellement, elles te reviennent de droit. Voilà. Les roses sont pour Mademoiselle d'Amour et les lys, pour qui sont les lys? Ah, mais ne fallait pas. Oui, pour qui sont les lys? Pour qui sont les lys? Elles sont pour toi, mes frères. Oh. Vous à moi. Mais c'est ridicule. Comment ça, ridicule? C'est bien toutes les petites qui franchissent en règle de solidarité ont droit à un bouquet. Enfin, hey, tu ne sois heureux que je ne te demande pas de faire un tour de l'heure. Hein. Ah, madame Bourgeois, Mademoiselle d'Amour est dans sa chambre. Voulez-vous lui porter ses roses, s'il vous plaît? Non, jamais je ne porterai mes fleurs à cette créature. Tout de suite? Non, de toute façon, je n'ai pas le temps. Le canard
l'aiguille. Bon, bah, il vous a fait assez attendre, il peut bien nous rendre la politesse. Hein. Obéissez ou craignez ma colère. Dieu tout-puissante, qui entend tout, écoute-moi. Suspends ton dessein si tu avais décidé de rendre cette femelle féconde. Et que souffle dans sa matrice le vent glacé de la stérilité. Que ces organes se dessèchent et deviennent aussi secs que le poing dans les granges. Et que si elle engendre, que ce soit un enfant de vinaigre et de fiel. Madame Dorfman, soyez assez aimable pour porter ces fleurs dans la chambre de Madame Dorfman. Oui, monsieur. Vous avez reconnu tout de suite, évidemment. Puisque j'ai même vrai, tu vois avec vous. Alors, pourquoi pas au théâtre? Et si je suis pas libre à cause de ces affaires ou de New York quelconque, ce qui est d'ailleurs assez fréquent, eh bien, tu me retrouveras à la maison, voilà tout. Tu iras avec ta mère. Mademoiselle d'amour, ah, si vous vous présentez comme ça dans les couloirs de Radio-Canada, vous n'en sortirez pas vivante. C'est là, il sort. C'est de Gauthier, n'est-ce pas? Vous avez dû le payer horriblement cher. Oh, c'est un cadeau de mon oncle, Madame Pasteur. Ah, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas un oncle comme ça, moi aussi? Les hommes n'en ont jamais, mon chéri. À propos, Monsieur Preston, j'ai rencontré en descendant une dame, Madame Bourgeois, je crois, qui montait dans ma chambre de vote la plus merveilleuse fleur de rose que j'ai jamais vue. Ah, oh, merci. Si Madame Preston me permet, j'aimerais bien vous embrasser. Oh, mais je vous en prie. C'est embarrassant. J'ai pas l'habitude, hein. Oh, mon Dieu, vous êtes pivoine, moi. Eh bien, allons-y, allons-y. Hein. Bah, dis donc, il a une vie de saison, pas ton toit. Oh, encore. C'est un champ rose que j'aurais dû vous offrir. À propos, est-ce que Madame Bourgeois a été aimable avec vous? Adorable. Oh, c'est une femme vraiment très sympathique. Mais quel dommage qu'elle bégaye. Madame Bourgeois ne bégaye pas. Ben, en tout cas, elle bégayait tout à l'heure. Ah, tu vois, Olivier, ce qu'on arrive à faire avec un petit peu de fermeté. Madame Bourgeois bégaye. Alors n'oublie jamais ce que je vais dire maintenant. À la plus aimante, à la plus aimable, à la plus douce, à la plus docile des femmes, il faut de temps en temps allonger un grand coup de pied dans les gencives pour la maintenir dans les voies de la perfection. Ceci te sert de leçon, mon fils. Et maintenant, mettons savon clair et chargeons ce canard qui nous nargue. C'est toi l'honneur, chérie. Mademoiselle, allons-y. Bien, Olivier. Après vous. Oh, vous, que le tu est difficile dans ta bouche. Enfin, je m'y habitue. Allez, vieux frère, à table. À table, mon Dieu. Voilà. Ophélie au pied d'Hamlet. Roméo et Juliette. Mais non, mes enfants, vraiment. Ophélie et Juliette étaient des jeunes femmes bien troupées, bien élevées pour faire ce genre de truc avec un monsieur. Non, c'est Héloïse suppliant Abélard de lui dire quelque chose de gentil pendant qu'il a encore de la voix. Vous n'y êtes pas du tout. C'est à Bérénice essayant de retenir Titus. Oh, Bérénice et Titus et Héloïse Abélard, c'est un peu du même tonneau, non? Ah, pardon, M. Paston. Titus pouvait, ne le voulait pas, tandis que ce pauvre Abélard voulait, mais ne pouvait pas. Oh, mais c'est très bien d'avoir le sens des nuances comme ça. Et vous êtes certain que cette Abélard a été... Censurée? Eh oui, mon vieux, eh oui. Et par un chanoine, ce qui est le comble. Bien, étendez vos verres, mes chers enfants. Voici venir. Ah, on va faire le plein. Oh, et on va continuer la course après. Hein? Tu trouves pas qu'on assiège pas ce jeu? Oh, qu'il soit indulgente, ma chérie. Hein? Oh, écoute, tu pars pour l'Italie demain. Hein? Et tu sais que je suis un grand vieux bébé qui s'amuse avec un rien. Hein? Alors, soyons gais, mes enfants, soyons gais. Que le vin déborde de nos coupes et que nos rires déments ébranlent les voûtes de ce tombeau. Bien,
c'est à toi de nous mimer quelque chose, mon vieux. Écoutez, vous ne voulez pas me dispenser de mon tour. Je crains vraiment de ne pas avoir les qualités requises de comédien. Oh, ben, tu plaisantes. Comment fais-tu alors pour piquer tout ce fric à des clients? Enfin, je veux pas te violer. Alors, ben, mademoiselle d'amour, c'est à vous de vous dévouer, alors allons-y. Oh, je veux bien essayer. C'est curieux. Vous sciez quelque chose. Vous coupez du bois. C'est une scène de Blanche-Neige. C'est une scène de Blanche-Neige, oui. Alors, elle est en train de scier un monsieur pour en faire des nains. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un se coucher sur ses bois. Hein. Tu vois, chérie, elle serait debout, ben, ça serait toi en train de découper le canard. De toute façon, je ne l'avais pas embrassé avant. En tout cas, c'est très difficile. Hein. Ah, qu'est-ce qu'elle tient? Un chat. Ben oui, qu'est-ce qu'elle tient? Ah! C'est Judith coupant la tête de l'Auvergne. Ah, bravo, monsieur Preston, et pourtant ce n'était pas facile. Ah oui, et même j'aurais deviné plus tôt, hein, s'il n'y avait pas un détail qui m'a troublé. Pourquoi l'avez-vous embrassé d'abord? Pour voir s'il était vraiment endormi. Je ne sais pas si Judith l'a fait, mais moi, en tout cas, je le ferai. Oh, horrible détail. Tu vois, Olivier, hein, si tu sens qu'on t'embrasse pendant que tu dors, n'hésite pas, fonce vers la fenêtre, n'essaye pas d'ouvrir. Bon, bien, mes enfants, je pense que c'est à moi de vous mimer quelque chose. Ah, ben, je vous dis, chérie, oui. Alors, je vous préviens que ça se passe de nos jours et qu'il ne s'agit ni d'un homme ni d'une femme. Alors, allons-y. Attention. Plouf! Oh! Un martien percevant son premier astronaute. Oui, non, mais non, mais... Un ours blanc en train de pêcher du saumon. Vous êtes venu à terme, vous? En train de faire le singe. Oh. Oh, vous feriez mieux de nous dire tout de suite ce que c'est, M. Preston. Moi, j'abandonne. Moi aussi, hein. Oui, non, bon, enfin, je reconnais que c'était pas facile. Alors voilà, c'était le monstre du Loch Ness émergeant de son lac, plouf, le 16 août 1990, à 16h40, et voyant Lise en train de m'embrasser. Vraiment très drôle, vraiment. Et d'un coup parfait. Et puis, vous avez triché, M. Preston. Oh. Je ne savais pas, moi, que Mme Preston vous avait embrassé sur les bords du Loch Ness. Ah, pardon, pardon. Eh bien, puisque vous êtes frustré... Ah, mais dis donc, chérie, tu vois, c'était même pas la peine de casser ta meilleure lime à ongles pour graver nos initiales sur ce rocher. Mademoiselle Damour ne le savait pas. Bon, alors, c'est vrai, vous êtes frustré, je vais vous faire quelque chose pour vous toute seule. Oh non, on a assez joué à ce jeu. Au moment où je m'en vais me coucher, ça suffit? Bon, bon, alors, très bien. tu veux faire un vide? Oh, certainement pas. Mais pourquoi tourner les choses au noir? Il n'y a qu'à bavarder gentiment entre nous. Oh, la sagesse parle par ta bouche, Olivier. Bavardons et buvons. Et voici venir la bienfaisante petite pluie du soir. Tu as des renforts, chérie? Tu as prévu des renforts? Il y a encore 4 bouteilles au frais. Ah, ben ça pourrait nous mener jusqu'à l'orgie finale. Non? Ah, vous pouvez vous offenser à un des meilleurs champagnes français, c'est très laid. Bon, ben, alors tant pis pour vous, M. Preston. Hein? Mais je vous préviens que, dès que j'ai un peu bu, je ne suis plus bonne à rien. Et je me permets de vous dire ça, à cause du petit travail que vous avez l'intention de me demander. Oh, j'espère que ce ne sera pas trop difficile. Alors, entre vous et moi, vous ne vous en apercevrez même pas. Oh, et voici Madame Bourgeois. Eh bien, bonsoir, Madame Bourgeois. Est-ce que je peux vous suggérer de boire un petit verre de champagne à ma santé? Oh, merci, monsieur. Et pour ce qui est de votre santé, je crois que vous vous débrouillez très bien tout seul. Non, je vais directement vous apporter ça. Je me demande jusqu'à quelle heure ils vont en arriver. Encore des fleurs? Ah, ben, celles-ci sont pour moi, chérie. Tu t'envoies des fleurs maintenant? Oui, ben, je vais me sortir un peu seul.
Et là, posez-les là. Oh, mais restez pas là comme une potiche, encore une fois, posez-les là. Allons, allons, posez-les là. C'est bien. Et nous allons en profiter de votre présence pour organiser le petit déjeuner de demain matin. D'ailleurs, pour madame, ce sera comme d'habitude. Oui, je prendrai mon thé en bas. Bon, bien sûr. Et Olivier? Personnellement, je ne prendrai jamais rien le matin. Non, un petit steak tartare avec un verre de chablis, non, bon, je n'insiste pas. C'est vous, mademoiselle. Oh, moi, monsieur Preston, je prends tout ce qui me tombe sous la main. Je suis affligée d'un appétit indécent. Ah, mais bien, qu'est-ce que je peux vous proposer? Des viandes au bacon, des crêpes au sirop d'érable, des fruits, des biscuits, du champagne, non, du pain blanc, du pain brun, des brioches, de la confiture. Oh, du pain blanc, très volontiers, et tout le reste, avec du café bien noir. Bien, bien. Vous buvez du café le matin? Oh, ben ça tombe vraiment bien. Vous avez entendu, madame Bourgeois, tout ça, plus un grand pot de café noir dans la chambre de mademoiselle d'amour avec deux tasses. Pourquoi deux tasses? Il y en a encore une. Quand vous y serez, madame Bourgeois, ajoutez donc une bouteille de whisky. Une bouteille de whisky? Ben oui, vous pourriez avoir besoin d'un petit remontant, on ne sait jamais. Je dois vraiment faire tout ça, mon petit, il le faut. Oui, madame Bourgeois, je vous remercie. Bon, allez, allez, regagnez votre trou, vous, là. Ouais. Trou, peut-être, monsieur. Mais trou de l'ex-femme, en tout cas. Comprendre qui voudra. Oh, pourquoi t'es dit ça en me regardant? Ah, vous en faites pas. Non, non, son mari doit être moi qui est devenu alcoolique. Hein. Alors, bien, chérie, oh, tu as vu ça? Oh, regarde-moi ça, oh, ils sont magnifiques. Hein. Qu'est-ce que je me suis gâté, hein? Tu trouves pas? Oh, oh, je me suis mis une petite carte. Oh, voyons. Voilà. Oh, ça, c'est gentil, hein, franchement. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu m'écrire? Surprise. Il faut toujours des surprises dans la vie, hein, c'est agréable. Hein. Ah. Alors voyons. Oh. Oh. De Philippe Preston à son vieux Philippe, pour la vie, et c'est signé Philippe. Ah, c'est gentil. Je crois que je m'écrive un petit mot de remerciement. Hein. Oh. Oh, dis donc Olivier. Regarde ce que j'ai trouvé là, dans la corbeille, tout froissé, roulé en boule, à l'image même du mépris. Hein? Tu m'as fait beaucoup de peine, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, le petit mot que je m'étais permis de joindre à tes lices. Hein? Voilà. Bonne chance, vieux frère, et à toi de tout cœur. C'est signé Philippe Preston. Oh. Et tu sais que je l'avais écrit sans aucune goutte d'amertume, tout à fait spontanément. Pourquoi tu fais ça? Ben, à vrai dire, je n'avais attaché aucune importance. Je pensais que vous aviez... Simplement, vous l'êtes trop. Oh, parce que je suis un pitre. Attention, j'ai jamais dit ça. Ah oui, mais tu le penses. Oh oui. Et tu as raison. Eh oui, je suis un pitre. Et mademoiselle d'amour qui me connaît bien pourrait te confirmer qu'il ne faut voir en moi qu'un bouffon appointé pour faire rire son auditoire. Enfin, dites-le-lui, mademoiselle, sinon il va se mettre à faire des complexes dans la vie où je le connais. Tant pis, monsieur Preston. Mais je refuse de vous considérer comme un simple bouffon. Pas comme un bouffon compliqué, alors? Ah, pas davantage. Vous êtes une partialité révoltante, hein? Enfin. Et toi, chérie, comment me définirais-tu si tu étais obligée? Comme un monsieur qui a trop bu et qui serait mieux d'aller se coucher. Ouais, un peu sommaire, hein? Ah non, non, Olivier, crois-moi, je suis un pitre. Ouais. Et d'ailleurs, ça résout pas le problème, hein? Mon fils qui a 15 ans pourrait te dire qu'il y a souvent de vraies larmes dans le ricanement des clowns. Oui, et crois-moi, ce petit mot, bref, était sincère. Aussi sincère que le hurlement du type qui vient de se faire coincer les doigts dans une porte. Mais alors, personne, excusez-moi. Ah oui, n'essayez pas d'être drôle, mais plutôt de respecter le droit sacré de Lise dans cette histoire. Voilà 20 ans qu'elle me voit faire des petites cabrioles, toujours les mêmes. Et si aujourd'hui elle a envie de voir autre chose, eh bien, c'est bien plus de ma faute que de la sienne. Oh, bref, tu sais, moi aussi, il m'arrive d'en avoir plein d'eau de ce bon vieux Philippe. Hein. Enfin, mets donc ça dans ton portefeuille. Vous croyez vraiment que... Bien, très bien. Je ne dis pas que tu liras tous les soirs hein, avant de te coucher, mais un petit mot de temps en temps, un petit regard de temps en temps me ferait plaisir. Hein. Promis, merci vieux frère. Oh. Mademoiselle, une question maintenant. Aimez-vous les rossignols?
les rossignols, ça se mange. Mais non, je veux dire le chant des rossignols. Nous en avons deux chaque soir dans le jardin qui entrelacent leurs voix d'une manière absolument divine, on va dire. Hein, venez. Est-ce que vous permettez de qu'on aille les voir? Oui, bien, allons-y. Oh, il va faire les nuits à son lécher les doigts. Hein. Des parfums partout, attention à la marche, oui. Et pas une seule guêpe. Oui. Essayez de tenir le coup sans moi, hein. Ça va être difficile, mais vous allez y arriver, vous allez voir. S'il te reste un peu de méthanone, j'en prendrai bien quelques gouttes. Moi aussi, hein. Bon, en principe, ça prend une ordonnance. N'importe qui m'en ferait une. Oh, quelle effroyable soirée! Si au moins on peut dire que l'après-midi a été meilleur. Mais non! 6 heures à jouer au croquet! Mon Dieu chéri, quand je pense que nous pourrions être chez moi bien tranquille, vraiment, tu n'es pas raisonnable. Je tiendrai le coup, Olivier, je tiendrai le coup. Même si je dois boire 1 litre de méthanone. Je partirai quand j'ai décidé de partir, pas avant. Je t'avertis, ça goûte effroyablement mauvais. Il faut le prendre un coup et arrêter de respirer pendant un bon moment. Je pense que le mieux est qu'on le prenne ensemble, sinon l'autre doit bien savoir. T'es prêt? Allons-y. 1, 2, 3. Ça va! C'est ce qu'on peut appeler un joyeux samedi. grâce à vos rossignols, nous voilà tranquilles pour quelques minutes. Bon, Philippe voulait sans doute nous ménager un petit tête-à-tête parce qu'il n'y a pas de rossignol. Pas de rossignol? Non, il s'agit en réalité d'un petit enregistrement. Puis il a placé un petit magnétophone dans le creux d'une arme. Il le déclenche en douce et alors, vous entendez, ravi, les frères Sifleurs, deux humoristes à lui de Radio-Canada. Mon Dieu! Il s'amuse encore à faire ce genre de blague à son âge. Comme un fou. L'année dernière, il a enregistré les rugissements d'un lion. Madame Bourgeois a failli en mourir! Mon Dieu, ma chérie, t'as pu y tenir pendant 20 ans. Oh, tu sais, je ne sais pas si c'est moi qui tenais ou lui qui me retenait. Tu sais, Philippe est un drôle de personnage. Tu penses avoir affaire à un enfant et tu te retrouves brusquement devant une très grande personne, très sérieuse et très sage. Alors, tu passes ta vie à essayer de deviner ce qu'il va faire et à tromper. Évidemment, dans ces conditions, le temps passe assez vite. En tout cas, tu parles de lui très gentiment. Mais oui, il est même avec une certaine admiration. De l'admiration, mon pur Philippe. Pour Philippe, voyons, tu rêves. Peut-être un peu de camaraderie, mais c'est tout. Espérons-le. Hein? Mais voyons, penses-tu que je partirai avec toi demain pour l'Italie si j'avais encore quelques sentiments pour ce monstre? Mon Dieu, ma chérie, ça s'est déjà vu. Hein? Ben, merci. Tu fais sans doute allusion à ta troisième femme qui t'a quitté pour marier en seconde noce son premier mari. Merci pour la comparaison. Tu n'as cessé de dire qu'elle était complètement folle. À moitié seulement. Je t'ai jamais fait de comparaison de ce genre. C'est toi qui l'as fait. Je t'ai jamais dit... Il m'arrive de comprendre ce qu'on ne dit pas, Olivier. Alors, j'aimerais bien que tu te contentes de comprendre ce que je dis. Ça nous évitera un style de conversation que je trouve tout à fait désagréable. Le style de mes conversations n'avait pourtant pas l'air de te déplaire jusqu'ici. Dois-je conclure que... Oh, non, le misérable. Oh, cet homme est un démon, mon chéri, nous a envoûté. Tu vas te déjeuner querelle en quelques heures. Embrasse-moi. Et quand tu m'embrasses, toutes les vilains oiseaux se sont envolés. Je me sens mieux. Que fais-tu? Je me suis le rouge à lèvres. Mais non, rassure-toi, mon rouge à lèvres ne laisse aucune trace. T'en es certaine? Mais oui, voyons, ne pose pas cette question à une femme, bien sûr, j'en suis certaine. Mon Dieu, il m'a encore eu! Ah, Philippe! Oui, c'est pas terrible, hein. Tu m'as embrassé ce matin, et mais quand j'étais seule avec lui, il m'a fait remarquer que j'avais des marques de rouge à lèvres. Ah, il voulait savoir? Et, naturellement, je me suis suivi et... Il voulait savoir si nous étions embrassés. Tu vois maintenant que t'as pas pu prendre lui aux échecs. Oh, écoute chérie, je commence à le croire. Est-ce que tu ne voudrais pas me donner un verre d'eau? Mon Dieu chérie,
me le dis par la suite, je vais aller me coucher. C'est ce que j'aurais dû faire en arrivant ce matin. J'ai mérité 10 ans en un jour. Et moi, comment penses-tu que je me sens? As-tu déjà vu une femme subir une pareille humiliation? Mais quelle humiliation? Mademoiselle Dabour! Tu l'as entendu tout à l'heure, un grand pot de café noir et deux tasses. Il sera dans la chambre de cette pétasse repoussante. Oh, il veut que Madame Bourgeois les découvre ensemble, en a apporté le petit déjeuner. Ils seront dans le lit tous les deux, Olivier. Lui en pyjama et elle en chemise de nuit. Oh, j'ai vu ce qu'elle appelle une chemise de nuit. Sa cachata, à peine autant qu'un filet de pêche. Ah oui, c'est... Ah oui. À ce point-là. À ce point-là, oui. Je te dépends de ton sourire. Olivier, faut que tu lui parles. De ses filets de pêcheur, de ses chemises de nuit. Non, Olivier, que tu parles. Oui, mais lui parler pour lui dire quoi exactement? Tout. Tu dois lui dire que... Il n'a pas le droit de faire subir une épreuve aussi dégradante à une femme après 20 ans de mariage. Tu dois lui dire aussi que... qu'il n'a pas le droit d'aller s'exhiber ici dans le lit d'une nymphomane conjugale. Et dis-lui aussi qu'on se fout complètement qu'il prenne les torts du divorce à sa charge. Tu es au-dessus de tout ça. Je suis trop bien, alors, Lise. Tu ne parles pas seulement de ton mari avec une certaine nostalgie. T'en es très jaloux. Jalouse, moi, Philippe? Voyons, tu perds tout sens commun. En tout cas, si c'est pas de la jalousie, c'est un goût de la possession. Tu supportes pas d'avoir sur ma cheminée d'un autre ce qui t'a déjà appartenu. Et c'est regrettable. Bon, inutile de me faire une conférence, tu refuses de lui parler. Catégoriquement. Tu peux me donner une raison? Une excellente. Je souhaite ce que tu redoutes. Tu veux pas que ton mari aille rejoindre dans son lit, mademoiselle d'amour? Eh bien, moi, je le veux. Oui, je veux qu'il aille rejoindre cette ravissante femme. Oh. Qu'elle soit enveloppée dans son filet de pêcheur ou encore mieux qu'elle soit complètement nue. Et pour ne rien cacher, je souhaite même que tu puisses être là, assise sur une chaise. Mais tu es un épouvantable sadique! Non, ma chérie, je suis simplement un homme qui a appris à cette époque la chose la plus difficile à obtenir en ce monde, et celle de l'amour. Alors compte pas sur moi pour dédaigner la première occasion qui va m'être offerte. Bonne chance, ma chérie. Est-ce que tu veux que je t'embrasse, cela te donnerait des forces? Non, je t'en remercie, je vais me débrouiller seule. chérie, étant donné les projets de l'équipe adverse, m'autorises-tu ce soir à mieux te dire le bonsoir dans ta chambre? Inutile de te déranger, j'ai la migraine. Que fais-tu? Je m'étais parié 50 $ que tu aurais la migraine. Madame Bourgeois, vous n'êtes pas encore couchée? Mais non, mon petit, j'attendais la fin pour savoir. C'est encore 10 fois mieux qu'à la télé. Bravo, mon petit, bravo! Bravo, pourquoi? Ben, pour Monsieur Olivier. Ça y est, il en a. Il en a? Mais du plomb dans l'aile, voyons, il en a. Je viens tout juste de le croiser et je me suis dit immédiatement, ça y est, il en a. Oh, Madame Bourgeois. Retourné comme une crêpe, voilà ce qu'il est. Et que l'autre le sache maintenant, et vous verrez s'il aura encore le goût d'aller faire des coucouricous dans les bras de cette créature. Il la lâchera, c'est moi qui vous le dis, comme une pomme de terre trop chaude. Courage, mon pauvre agneau. Faites attention à la marche. Ah, quelle merveilleuse nuit, Madame Preston. Vous avez dû nous accompagner. Si vous le saviez, est-ce que M. Preston a pu me faire rire? Une de mes meilleures émissions de l'année, chérie. Dommage que tu aies raté ça. Hein. Et devine ce que Mademoiselle Damour a vu et Rossignol. Oh, bravo! Vous en avez de la chance! Et oui, c'est la première fois que quelqu'un les voit, vous savez. Je suppose que cela va vous donner la chance, vous porter chance. Mais bon, où est passé notre vieil Olivier des familles? Il est parti se coucher. Et tu l'as pas retenu? Non, puis d'ailleurs, moi aussi, j'y vais. Je trouve que... la journée a quand même été assez bien remplie et que minuit est une heure raisonnable pour aller se coucher. Vous ne trouvez pas, mademoiselle Damour? Oh, moi, madame Preston, je n'ai jamais sommeil. Comme par hasard, je me couche tôt. C'est rarement pour dormir. Ah, je vois. En général, c'est pour lire. J'adore lire au lit. Et de toute manière, il n'est pas question que vous alliez vous coucher maintenant. J'ai besoin de vous. Mais si mademoiselle Bourgeois veut lire au lit, tu ne peux tout de même pas l'en empêcher! Chérie, elle lira plus tard, et qu'en même temps qu'elle commence à gagner
son caviar, sa vodka et tout champagne qu'elle a englouti. Oh, mais j'y suis fermement résolue, monsieur Pascal. Bon, c'est très bien, alors... Je m'en vais coucher. Oui, oui, bah, t'as raison. Oui, je sais tes bagages, je sais quelle fourbi. Hein. Mais ne te couche pas trop tard quand même, tu pourrais plus t'endormir. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, Philippe. Bonne nuit, mademoiselle d'amour. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu as quelque chose à me dire? Non, non, ça va. Bonne nuit, chérie. Eh bien, mademoiselle, maintenant, à nous deux. Nous allons boire un petit verre avant de commencer. Oh, est-il vraiment essentiel que je comprenne tout ce que vous allez dire, M. Preston? Ah, mais je souhaite même que vous compreniez à demi-mot, vous savez. Alors, votre champagne, ah, merci. Je n'insiste pas. Ça vous permettait que j'en prenne une petite goutte? Voilà. Bon, ce n'est pas que ça soit tellement compliqué, mais quand c'est la première fois que je vous demande quelque chose de semblable, il se peut que cela vous surprenne. Voilà. Et pour tout dire, je dois d'abord vous informer que j'ai décidé de dormir cette nuit dans la chambre qui est juste à côté de la vôtre. Oh, c'est un détail, mais qui a son importance. C'est noté, monsieur Pascal. Bon, vous savez quoi? J'aimerais bien que vous cessiez d'être cet élixir de secrétaire de Jeune Régal à Radio-Canada pour ne rester qu'une jolie femme. Hein? Est-ce que vous pensez que ce soit possible? Oh, tout dépend si c'est mademoiselle d'amour que vous avez invitée, monsieur Pascal, ou si c'est... Puits d'amour, comme on l'appelle. Ah, mais c'est puits d'amour, je me fiche éperdument de mademoiselle d'amour. Ah, oh, parfait. Ah bon, ah bon. Voilà. Ah bah oui, il y en a deux. Hein. Alors, je vous écoute, Philippe. Donc, vous allez passer la nuit dans la chambre voisine de la mienne. Oui, et entre les deux chambres, il y a une porte, oui, ce qu'on appelle une porte de communication, que je vous serai très reconnaissant de ne pas fermer à clé quand vous irez vous coucher. Claustrophobie? Non, mais je commence à être un peu trop gros pour passer par le trou de la serrure. Entrerait-il dans vos intentions de faire une visite de politesse? Eh voilà, bien sûr, bien sûr. À condition, bien sûr, que cela ne vous paraisse pas totalement repoussant. Mon Dieu, non, pas vraiment. Eh bien, voilà, voilà. Bonne chose de faite. Je vous remercie beaucoup. Vous allez me rendre un grand service, vous savez. Ah, je n'en doute pas. Ah oui, pas seulement à moi, mais aussi à ma femme et à Lise, et aussi à Mme Bourgeois. Ça fait beaucoup de monde. Pourrais-je avoir quelques éclaircissements à ce sujet, Philippe? Ah, bien sûr, bien sûr. Rien à vous cacher. Alors voilà, j'ai décidé de demander le divorce. Et comme je tiens à faire aussi les choses avec une certaine élégance, j'ai décidé aussi de prendre tous les torts à ma charge. Alors, je pense que vous devinez la suite. Oui. Vous avez mis sur pied un superbe flagrant délit d'adultère, spécialement conçu pour Madame Bourgeois. Et c'est ici que j'interviens. Ah, brillamment, brillamment, brillamment. Oui, absolument. Oui, d'ailleurs, ma femme n'est pas tout à fait d'accord. Elle aurait préféré que j'aille dans un club de danseuses et que je rembourse une poule au bar. Oh. C'est tellement vulgaire. N'est-ce pas? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une petite goutte de champagne? Non, sans façon. Oui. Bien. Alors, naturellement, tout cela va avoir des conséquences. Hein. Ça va faire un certain bruit. Comme disent les journalistes, il y aura des retombées. Par exemple, il est sûr qu'après tout ça, je ne pourrai pas vous garder auprès de moi comme secrétaire. Mon Dieu, je n'y aurais jamais pensé toute seule. Ah, ben c'est bien pour ça que j'y ai pensé à votre place. Alors, est-ce que vous seriez hostile dans ces conditions, alors, à vous éloigner de moi dans le sens de la hauteur? Dans le sens de la hauteur? Eh bien oui, de passer du quatrième étage au cinquième étage. Oui. Mon bon copain, Alex Delorme, le chef de pupitre des infos, vient justement de perdre brusquement sa propre secrétaire. Pauline Legros, il lui est arrivé quelque chose. Où? Ah oui, bah, hélas, du côté de Sainte-Adèle, où elle passait quelques jours avec ses parents. Un fou qui circulait au volant d'une Maserati, enfin, il l'a renversé, enfin, ça a été réglé en quelques minutes. Oh, il l'a renversé. Bien oui, enfin, c'est ce qu'elle a l'air de dire dans sa lettre de démission. Le coup de foudre. Oh. Elle parle d'un mariage, un mariage en Orient, bref. La place est à prendre. Et si vous avez le courage de vous arracher à moi, eh bien, je vous conseille d'en profiter. Encore faudrait-il que M. Delorme soit d'accord? Il ne m'a vu qu'une seule fois. Oh, c'est amplement suffisant.
Écoutez, Philippe, je ne sais que vous dire. Ça me sera un vrai crève-cœur de me séparer de vous. Bon, enfin, si vous pensez que c'est vraiment nécessaire, je le ferai. Il le faut, Rachel, il le faut. Très bien, je le ferai. Bon, alors, à demain matin, Philippe, disons 7h30. Oui, en tout cas, je l'espère, parce que je pense brusquement que je ne suis pas certain de me réveiller à temps. Hein. Et si Madame Bourgeois ne me trouve pas dans votre lit en montant le petit déjeuner demain matin, ben, ça ferme tout par terre. Hein. Ah, et vous voilà obligé de courir aux danseuses. Ah, oui, c'est pas tout ça. C'est pas tout. Imaginez que Lise ait l'idée de rôder dans les couloirs pendant la nuit et qu'elle m'entende ronfler paisiblement dans la chambre d'amis. Eh bien? Ah, mais ça ferait pas mon affaire du tout. Hein. Ah, ce qui ferait votre affaire, c'est qu'elles vous attendront vite paisiblement dans ma chambre. Ah, évidemment, ça serait l'idéal. Vous ronflez vraiment très fort. Ah, ben ça dépend si je dors ou pas. Quand vous dormez? Oh, ben ça peut aller. Vous aurez simplement l'impression d'être dans le tunnel Hippolyte Lafontaine pour un embouteillage. Tout de même? Oui, ah, mais si vous sifflez, j'arrête. Hein. Résultat, vous n'obtiendrez jamais dans le tunnel. L'ennui, c'est que je ne sais pas siffler. Oh, enfin, je trouverai autre chose. Alors, à tout à l'heure, Philippe. Et vous pouvez apporter un peu de champagne, à tout hasard. Vous prenez de l'avance, en faisant d'amour. Bonne nuit. Vous aussi. Ah, chérie, bon. T'as oublié quelque chose, peut-être? Je ne trouve pas les chèques de voyage. Ah, oui, les chèques de voyage. Oui, on ne trouve jamais ces chèques de voyage. Hein. Ah, là. Bien. Bon, mais moi, je vais me préparer un petit plateau. Voilà. Voilà, ça. Bon, la bouteille. Prendre deux verres. Voilà. Quelques biscuits. Voilà, les biscuits. Et quelques petites cacahuètes. Voilà. Je pense que j'ai tout là. Cacahuètes, c'est bon pour quand on a un petit creux. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes petites cacahuètes. Allons-y. Pardon, excuse-moi chérie. Ah, mes fleurs, tu te rends compte? Je m'achète des fleurs, j'allais les oublier. Ah, là. Elles sont magnifiques, hein. T'as vu ça? Elles font de beaux arrangements hein, aujourd'hui. Enfin, pour les fleurs, pas pour les prix. Bien, allons-y. Tu répètes quelque chose pour une émission, un gala bienfaisant. J'essaye de sortir, Sylvie, t'aurais pas une idée? Non, mais je suis certaine que la demoiselle d'amour en aurait une. Tu pourrais au moins laisser ton bouquet, tu es largement ridicule sans ça. Je tiens absolument à l'emporter. Prends-le avec tes dents. Ce serait plus simple que tu m'ouvres la porte, Sylvie. Tu peux pas aussi que je te précède avec un flambeau, ta taillère? Écoute, Sylvie, on m'attend quand même, on m'attend là-haut. Dépose ce plateau, je veux te parler. Dépose ce plateau, je te dis. Oh, regarde. Tu es un abominable menteur. Tu avais dit que tu irais dans la chambre de cette femme seulement demain matin. Ah non, pardon, je t'ai dit que j'y serai demain matin, je t'ai pas dit quand j'y irai. Franchement. Et dis donc, si ce genre de détail avait une certaine importance pour toi, il fallait penser à le préciser plus tôt. Parce que maintenant, je regrette, mais j'ai des engagements à tenir. J'ai des engagements? Dis tout de suite que ça te pèse, toi, Cayette. Ben oui, ça me tracasse, tiens. Ça me rappelle la fête du collège de Nathaniel l'année passée, là, quand on avait fourré l'office dans l'équipe des parents d'élèves pour jouer ce foutu match de soccer avec les juniors, tant que les juniors. Non, moi, tu te rends compte quelle journée. Hein. Tu avais quand même compté deux buts. Oui, ben ça, c'était l'année passée. Hein. Cette fois, ben, il n'y aura personne pour m'encourager. Hein. Bon, tu vas te couvrir de ridicule. Tu es son patron et en plus, elle est plus jeune que toi. Oh, mais à quoi rime cette conversation? Non, mais dis donc, tu fous le camp avec des marines demain matin, non? Je fous pas le camp avec Olivier, je pars avec l'homme que j'aime. Oh, t'es bien avec toi pour faire la différence. Bon, allez, ouvre-moi la porte, tu seras gentil, chérie. Écoute-moi, je veux te parler. Oh. Écoute, Philippe. Oui. Pense à tout ce qui a été entre nous. Pense à notre rencontre à cette bande de charité. Une relation fait historique. À notre mariage, nos fiançailles, enfin, nos voyages de noces. Enfin, tout, notre premier baiser sur la plage Cartier, celui de Loch Ness. Si on doit se séparer, que ce soit au moins dans un climat d'estime réciproque et de dignité. Ma chérie, moi,
Toi, tes souvenirs, ton estime réciproque et ta dignité. Vous pouvez tous aller vous les mettre quelque part. Philippe ! Oui. Écoute, chérie, Mademoiselle D'Amour doit être en train de mordre son oreiller en gémissant. Ouvre-moi la porte. Non ! Non ! Tu n'iras pas rejoindre cette femelle en chaleur. Alors, renonce à démarrer et renonce à elle. Jamais ! Alors, jamais je ne renoncerai, Olivier ! Alors ouvre la porte. Non ! Ouvre la porte, chérie, sinon je te poche un œil. Tu veux parier ? Ouvre la porte. Ah, hein ? Voilà. Oh. Mais vas-y! Mais qu'est-ce que t'attends, Philippe Preston? Mais vas-y! Fous le camp, mon Dieu! Fous le camp! Chambre de Mademoiselle D'Amour, vous montez l'escalier. J'arrive sur le palier du premier. Évidemment. Et là, qu'est-ce que je vois? Sur le palier du premier? Qu'est-ce que je vois sur le palier du premier? L'horloge qui marche. Mais je m'en fiche. Quoi? Une horloge qui ne fonctionne plus depuis bientôt 3 mois et qui se remet brusquement à marcher et vous vous en fichez? Mais c'est un signe, mon petit. Il va se passer des choses dans cette maison. Attendez, vous allez voir. Je continue. J'arrive sur le palier du second. Et là, je m'apprête à frapper à la porte de cette... Mademoiselle D'Amour, quelqu'un vous dit d'entrer et vous entrez. Mais dites, mon petit, c'est vous qui racontez ou c'est moi? J'entre? Oui. Et là, qu'est-ce que vous découvrez? Mon mari en pyjama, mademoiselle... Et avec Mademoiselle D'Amour dans le lit. Mais dites, si c'est comme ça, je ne vous dirai jamais plus rien. Il la tient par le cou. Par le cou? Même une girafe n'oserait pas dire qu'il la tenait par le cou. Mais ça, pour la tenir, alors ça, oui, il la tenait. Vous n'auriez même pas pu faire passer un courant d'air entre les deux, c'est pincé. J'ai failli en échapper mon plateau. Il avait l'air heureux. Ah! Oh! Comme un chat dans un bol de crème, le misérable. Ça sert à rien de s'asseoir dans un moment pareil, mon petit. Il suffit de se secouer un peu. Si mon mari, M. Bourgeois, m'avait fait ça, il serait déjà en route pour le cimetière. Mais on sait, on ne peut pas demander à une jolie femme de Montréal de voir les choses de la même façon qu'une Gaspésienne purulente. Enfin, il vivra. Mais j'espère que vous allez au moins divorcer. Oui, je divorce, Madame D'Amour. Mademoiselle Bourgeois. Madame Bourgeois. Ben, c'est déjà quelque chose. Et quand j'aurai témoigné devant le juge, il en aura pour toute sa vie à cacher ses dents, votre Monsieur Preston. Soyez tranquille. Je suis largement aussi coupable que lui, Madame Bourgeois. J'ai un amant. Quoi? Oui. Vous? Un amant? Mais mon pauvre petit, vous ne savez même pas ce que c'est. Je suis la maîtresse de Monsieur Desmarais depuis 3 mois. Le Monsieur au caviar? Le Monsieur au caviar, oui. Si vous ne me voyez pas, allez voir dans ma chambre. Mes valises sont prêtes. Je pars avec lui ce matin pour l'Italie. Alors, c'est vrai? C'est vrai. Philippe a tout découvert vendredi. Et c'est pour ça qu'il a fait venir Mademoiselle D'Amour ici. Pour que vous les surpreniez ensemble ce matin. Parce qu'il tient à prendre tous les torts du divorce à sa charge. Monsieur Preston a fait ça? Monsieur Preston a fait ça, oui. Mais Jésus-Marie, c'est un saint homme! Sinon, pour que de l'épaisseur de la chemise de nuit, Mademoiselle D'Amour, deux fois rien. Eh bien, voilà. Et moi, quand je vous ai vu habillée de si bonne heure, de si bon matin, je croyais que c'était pour aller à la messe. Ah! Oui, la voilà, votre messe. En parlant du loup. Pardon? C'est vous qui êtes le loup, Olivier. J'ai tout dit, Madame Bourgeois. Oh. Je me sens mieux maintenant. C'est le principal. Bonjour, Lise. Tu es fâchée? J'avoue que j'avais imaginé un départ avec vous un peu plus poétique. Moins officiel, là. Mais du moment que vous avez je vais pas l'en informer aussi, Madame Bourgeois, je m'incline. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas au courant. Je reconnais que c'était profondément injuste. Et je fais quand même un peu partie de la famille. Je les ai élevés pour instruire ces enfants-là. Je les ai veillés quand ils étaient malades. Et c'est même mon mari, M. Bourgeois, qui a acheté à Nathaniel sa première trompette. Oh, ce qu'ils vont être bouleversés, ces enfants-là, quand ils vont en prendre la nouvelle! Mais c'est toujours les innocents qui payent, bien sûr!
Avouez que c'est tout de même dégoûtant. Oh, mais n'allez pas croire, mon pauvre agneau, que je vous lance la pierre. Moi aussi, ça m'est arrivé. Le garçon qui possédait les plus belles vaches de la Légion m'a entré à mon père. Et voilà que je suis allée épouser ce bon du pied, monsieur, pour jouer à pousser trompé d'église le jour de notre mariage tellement il était saoul. Mais voilà, c'est lui que j'aimais. Mais quand on aime, ben on choisit pas. Mais certain que tout ira très bien, M. Desmarais, moi. Je vous promets de ne pas me tromper d'église. Oh, rendez-la heureuse. Elle le mérite, vous savez. Et prenez-en bien soin, parce qu'elle est fragile. Mais non, pas du tout. Pourquoi? Mais oui, mon petit, vous êtes fragile. Monsieur Barton, il l'appelait sa petite lampe en verre de Venise. Alors, vous pensez... Madame Bourgeois, ce genre de confidence n'intéresse pas du tout, M. Desmarais. Eh bien oui que ça l'intéresse, parce que c'est lui maintenant qui va devoir s'occuper de vous. Bébé, quand on part en voyage, pour la première fois avec une femme, c'est pas toujours facile. Surtout quand on connaît pas toutes ses particularités. Je lui apprendrai moi-même, merci. Vous savez, Madame Bourgeois, il m'est déjà arrivé de voyager avec des dames. Et je les ai toujours ramenées vivantes. On dit ça. Et si elles tombent, qu'est-ce que vous faites? Si elle tombe, vous tombez. Mais non, pourquoi faudrait-il que je tombe? C'est ridicule. Vous êtes tombé l'autre jour, mon petit. On a l'air de trouver M. Preston à Radio-Canada. L'autre jour? Mais ça fait 15 ans de cela. J'étais sorti trop tôt de l'hôpital Saint-Luc. Et dans ce temps-là, Philippe avait besoin de moi. Je lui servais de secrétaire. Mais c'est bien ce que je disais. Vous êtes tombé. Ce qu'il lui faut avant tout, c'est du repos. 10 bonnes heures de lit par jour. Et quand je dis lit, je me comprends. Madame Bourgeois, je vous en prie. Pas d'énervement, pas d'émotion forte, pas de fatigue inutile. Pas question, par exemple, de courir sur les quais de gare dans les halls d'aéroport en trimballant des valises. Je n'avais pas pour Madame Preston en Italie pour lui faire porter mes valises, Madame Bourgeois. C'est ce que M. Bourgeois m'a dit à peu près quand on est parti en voyage de noces. Résultat? Je suis revenue avec un bras plus long que l'autre. J'oubliais quelque chose de très important. La nourriture. Mais rassurez-vous, je serai nourrie, Madame Bourgeois. Oui, mais comment? C'est que le docteur Bertrand est formel. Ni graisse, ni féculent, ni farineux. Et là-dessus, il l'amène en Italie. Mais c'est en Suède qu'il aurait fallu l'acheter. Il se trouve malheureusement que Milan, Rome et Venise ont été construites en Italie. Et croyez que je le regrette. Enfin, avec toutes les précautions, je pense que tout se passe très bien. Bon voyage, mon pauvre agneau, et soyez heureux. Et je prierai la bonne Sainte-Anne pour vous. Et pour vous aussi, Monsieur Desmarais. Vous êtes catholique naturellement. Non, protestant. Oh, mais je crois que ça fera quand même. Oh, j'oubliais. Mettez-la surtout bien à l'ombre, car elle ne supporte pas la grosse chaleur. J'aurais dû noter tout ça. Je suis désolée. Olivier, tu as l'impression de... Toi qui rêvais d'un enlèvement, tu auras l'impression de trimballer une pauvre infirme. Mais non, voyons, ma chérie. C'est pas grave, tout le monde a ses petits ennuis de santé. Mais je n'ai aucun ennui de santé. C'est Mme Bourgeois qui est complètement folle. Pourquoi me regardes-tu comme ça? J'ai si mauvaise mine. Mais non, voyons, ma chérie. Je te trouve un peu pâle, mais. Je vais même pas dormir une heure cette nuit. Mais t'en fais pas. L'Italie aura vite fait de te retaper. De me retaper? Je pensais pas que j'étais si défaite que ça. De vous remettre d'aplomb, si je préfère. T'as passé une mauvaise nuit? Il faut bien dire que la journée d'hier a été particulièrement épuisante. Alors, il n'y a rien d'étonnant que ce matin, tu viennes être étiré et descendre autour des yeux. Moi-même, je ne me sens pas comme d'habitude. Est-ce que tu veux, on n'est plus des enfants, ma chérie. Bon, en tout cas, tu es toujours aussi adroit. Bref, nous avons tous les deux besoin de vacances. Eh bien, nous allons nous en offrir. Et je te promets qu'elles seront belles. Par contre, nous prendrons certaines précautions. Ah oui? Voilà tout. Écoute-moi bien, Olivier Desmarais. Je ne pars pas en Italie avec Docteur Desmarais. Je pars en Italie avec mon amant.
Mais ça n'empêche pas, ma chérie, que... Et je ne prendrai aucune précaution. Je dormirai des heures toute pleine, toute nue sur la plage. Et je boufferai de la pizza, des raviolis, des spaghettis. Et je me saoulerai au kiosque jusqu'à 5 heures du matin. Et je déplacerai la commode à tous les jours, si ça me tente. Et tu seras malade. Eh bien, tu me soigneras. Tu mettras une blouse blanche, on me tiendra dans ta poche, tu me tiendras la main. C'est ça qui arrive quand on veut partir avec des vies d'hommes, mais pas tard. Oui, oui. Voyons, chérie, je t'ai jamais dit que t'es vieille. Oh, dis-moi, moi, j'en peux plus, moi. Mais moi, je renonce à comprendre. Depuis que je suis descendue ce matin, tu me rabrouilles sans arrêt. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne m'as même pas dit bonjour. Bonjour! Mais en fait, ma chérie, c'est le fait que ton mari ait passé la nuit dans le lit de Mademoiselle d'Amour qui te met dans un état pareil? Tu le savais! Mais ma chérie, il l'avait dit à tout le monde qu'il prêche! Et je croyais maintenir ce genre de propos! Et de plus, la chambre de cette dame était située juste au-dessus de la mienne. Et je les ai entendus rire pendant un bon moment. Il riait! Oh, c'est affreux! J'ai beau avoir une certaine expérience de l'hygiène d'ogisme des femmes, ma chérie, mais j'avoue que le crime me stupéfie. Voilà un homme qui, à t'entendre, fait de ta vie conjugale un enfer. Un mari détesté dont tu allais te délivrer pour toujours, dans moins d'une demi-heure. Et voilà que tu te mets à sangloter parce qu'il a passé la nuit dans les bras de sa jolie secrétaire. Jolie, elle est hideuse! Allons, chérie, sois raisonnable. Là, je te dis qu'elle est vieille, ridée, grosse, elle est hideuse, tu n'y connais rien! C'est pas très flatteur pour toi, ce que oh, je t'en prie, tu suis ma faible esprit, moi aussi. Je vais te rentrer à l'asile tout de suite. Mais enfin, ma chérie, la chose était convenue à ton mari et toi, n'est-ce pas? Alors, de quoi te plais-tu? Il devait aller dans la chambre de cette. De s'asseoir seulement 3 minutes dans le lit de cette pétasse repoussante. Seulement le temps que Mme Bourgeois les découvre ensemble. Et au lieu de ça, tu l'as entendu hier un grand pot de café noir avec une bouteille de whisky. Il est 9h du matin, il n'est pas encore descendu. Et tu me demandes de quoi je me plais? Tu sens m'oublier que je suis sa femme? Mais toi, chérie, j'ai l'impression que tu oublies que tu allais devenir la mienne. Oh, mon Dieu, c'est vrai. Oh, pardonne-moi, mon chéri. Tu vois, je peux te montrer une fois. J'en peux plus. Je crois, chérie, qu'il est temps que je prenne les choses en main. Et fais-moi confiance, tu seras vite guérie. Est-ce que tes bagages sont prêts? Il reste juste ma petite valise de cosmétiques. Alors, tu devrais le faire tout de suite. L'important, ma chérie, c'est qu'on tente d'ici le plus rapidement possible. Tu as raison, mon cher. Bien, alors salut les tourtereaux. Ça va bien? Quelle belle journée, hein? Une journée magnifique pour prendre l'avion, croyez pas? Regardez-moi ça. T'as bien dormi, vieux frère? Oui, très bien. Toi aussi, chérie? Oh, admirablement. Je te demande pas comment t'étais la nuit. Elle a dû être merveilleuse. La plupart des objectifs ont été atteints. Mission accomplie. Oui. Madame Bourgeois ne t'a pas fait son rapport. Si, si, elle l'a fait. Alors, tu sais que tu peux partir l'esprit tranquille, c'est le principal. Alors, ton ensemble de voyage est ravissant. Hein. C'est la première fois que tu le portes? Oui. Ah, ben, il est très beau, vraiment. Une inauguration, mon fils. J'espère que, le moment venu, tu prononceras quelques mots. Alors, tes bagages sont faits, chérie, tu n'as rien oublié. Hein, dessous, linge de corps, maillot de bain, shampoing, sèche-cheveux, conditionneur, crème diverse pour le visage, les yeux, le corps, démaquillant, pince à épiler, rasoir pour tes jambes, robe du matin, l'après-midi, du soir, jeans, robe de chambre, chemise de nuit, écharpe, soutien-gorge, chaussures de sport, escarpins, sandales, parfums, gants de crin, qui la suite, il est mal, qui est. Parfait, parfait, parfait. C'est une liste que j'avais apprise par cœur. Je te la passerai si tu veux. Hein. On obtient des résultats absolument positifs. La dernière fois, elle n'avait oublié que les clés des valises. Hein. Mon pauvre chéri, comment ai-je pu rester 20 ans ta femme si je n'étais pas un peu idiote? T'as entendu ça? Je préviens hein, qu'elle a une méchante droite. Hein. Voilà. Je me demande si ça va être une rencontre équilibrée, vous deux. Inquiétez-vous pas pour ça. Bon, je sais, t'as la technique, mais attention, hein, elle a le punch. Enfin, que le meilleur gagne. Hein. Bon. Ah, dis donc.
J'espère que toi, tu n'as rien oublié. Tu n'as pas oublié ta brosse à dents, par exemple. Hein? J'ai pas l'habitude d'oublier ma brosse à dents. Oh, je sais, je sais. L'homme est un animal pensant qui ne pense jamais emporter sa brosse à dents. Tous les directeurs de l'hôtel pourraient te le dire. Hein? Oui. Oh, remarque, c'est pas grave. Hein? Tu la mettrais de côté, tu la prendrais au retour. Vous buvez du whisky à 9h du matin? Il est 9h20. Ah! Ah, suis-toi, je t'en planter là comme ça. En parlant de brosse à dents, ça me rappelle une histoire. Une nuit, là, je revenais de New York dans le train de nuit. J'avais pris une couchette du haut. Et à un moment donné, j'ouvre un œil du côté d'Albany. Et là, je vois le type d'en bas qui était en train de se brosser les dents avec ma brosse. Oh là, et Coco, que je lui dis, c'est ma brosse, là. Oh, pardonnez-moi qui me fait. Oui, je croyais que c'était la brosse de Garaille. Je pensais que c'était la brosse de Garaille. Non, tu ne la comprends pas, tu ne la trouves pas drôle. Moyennement. Ouais. Madame, tu sais, écoute, c'est le type, hein, en bas, la couchette du bas, hein, bah oui, il pensait qu'il y avait une brosse commune pour tout le train. Moi, j'ai pas de chance avec toi. Hein. Écoute, mon vieux, c'est tout ce que j'ai en stock comme histoire de brosse à dents. Moi, je regrette, j'aurais aimé te voir partir dans un grand éclat de rire. Oh, oh, émouvante et pulpeuse Rachel. Vous avez déjà dévoré votre énorme petit déjeuner. Ah, jusqu'à la dernière miette. Bonjour, c'est Desmarais. Bonjour, mademoiselle d'amour. Vous avez bien dormi? Ah, plutôt bien, compte tenu des circonstances. Merci beaucoup. Est-ce que madame Brisson est descendue? Oui, descendue et remontée. Notre ami Olivier n'attend plus qu'elle pour prendre le départ. Est-ce qu'elle est au courant? Oui, elle est au courant. Madame Bourgeois a admirablement bien fonctionné. Elle est très fâchée contre moi? Oh, eh bien, si vous aviez l'intention de la quitter pour une tombola, je vous suggérais d'attendre un peu. Ceci dit, vos jours ne sont pas en danger. Hein? Mais vous m'aviez affirmé qu'elle était d'accord. Nous voyons, Rachel, vous avez beau être d'accord pour qu'on vous arrache une dent, ça n'empêche pas que ça soit désagréable. Je suis désolée. J'ai vraiment beaucoup de sympathie pour Mme Preston. Oui, oh, je pense pas que ce soit le moment de l'humilier. Hein. Bon, ben moi, je vais finir de m'habiller, puis je vous emmène. Hein. En attendant, essayez donc d'égayer notre ami. Hein. Vous aurez peut-être plus de chance que moi. Bon, enfin, fais un effort, Olivier, vraiment. Fais un effort. Tiens, pense au pigeon. Hein? Le pigeon qui se brossait les dents avec ma brosse. Hein? Non, ben, pense au fou, alors. Le fou qui prenait une infirmière en laisse dans les wagons-lits. Hein? Non? Alors, même quand on les mélange, ça ne te fait pas rire? Oh, non, mon vieux, là, t'es décourageant, hein. Enfin, je sais que tu vas te marier, mais enfin, quand même, franchement, oh. Vous partez, vous aussi, aujourd'hui pour l'Italie, mademoiselle d'amour? Ah non, demain seulement. Je n'ai pas pu avoir de place sur Air Italia, mais j'en ai trouvé une sur Air Canada. J'ai horreur de l'avion, monsieur Desmarais. Ah oui? Ah ben c'est curieux. Vous donnez plutôt l'impression d'être tout à fait acquise. Conception des plus modernes de notre époque. Est-ce qu'il y aurait par là comme sorte de blague? Vous allez scandaliser sans le vouloir, monsieur. Déconcerté, en tout cas. Oh, quoi? Parce que j'ai reçu M. Passant dans ma chambre cette nuit? Oh, mon Dieu, oui! Avouez que c'était un peu surprenant. Hein? Quand Mme Passant allait vous rendre visite, vous la receviez sur le palier? Attention, c'est pas du tout la même chose. Je vais épouser Mme Preston. Ah oui. Vous avez la manie d'épouser. Vous donnez votre nom à vos maîtresses? Je ne donne que mon prénom à mes amants. Ceci dit, où est la différence? Oh, mais elle est là, justement. Le mariage est une institution hautement respectable, vous ne croyez pas? C'est vous qui ne croyez pas, M. Desmarais. Personnellement, je respecte le mariage à un tel point que je n'y toucherai pour rien au monde. Alors que vous, vous lui accordez à peu près l'importance d'une gomme à effacer. J'épouse, donc, il n'y a plus trop. Je n'aimerais pas du tout, dans un procès, vous avoir comme avocat de la partie adverse. Ma parole, vous avez l'air de me prendre pour un de ces affreux puritains qui se cachent derrière les lois pour faire leur mauvais coup. Si je n'en ai eu que l'air, c'est que
je me suis mal exprimée. Oh, là, vous allez vraiment trop loin, mademoiselle d'amour. Eh bien, ne venez pas me pousser. Et je vais aller encore un peu plus loin, en votre honneur, Olivier. Olivier. C'est bien votre prénom, Olivier. Oui, Olivier, je vais aller encore un peu plus loin. Je vais vous dire ce qui différencie mon amour libre-service de votre amour à prix fixe, mariage compris. Ce que moi, je fais des bêtises, alors que vous, vous faites des sottises. Oh. Charmant. S'agit sans doute d'une allusion discrète à mes différents mariages. Bon, sans oublier celui que vous mijotez avec cette malheureuse madame Preston. Malheureuse. Merci pour elle, merci pour moi. En clair, vous devez sûrement dire que je suis pas un bon mari. Bon? Mais vous n'êtes pas du tout un mari, mon pauvre Olivier, même mauvais. Et que suis-je donc, d'après vous? Un amant. Un amant? Mais oui, un amant qui s'ignore, malheureusement. Un brillant champion de 100 mètres qui s'obstine à s'aligner le marathon. C'est tout votre âme. Ah, parce que dans votre système, il y a des hommes qui naissent maris et d'autres qui naissent amants. Non, c'est évident, de même qu'il y a des femmes qui naissent épouses et d'autres maîtresses. Ah, c'est une question de tempérament. Et naturellement, les deux seules combinaisons amoureuses raisonnables sont amant-maîtresse et mari-épouse. Et les autres sont ce que vous appeliez tout à l'heure des sottises. Oh, vous êtes le meilleur élève de la classe, Olivier! Bravo! Et bref, étant né amant, moi, là, j'ai plus grand tort de vouloir épouser les femmes que j'aime. Vous auriez même dû vous en rendre tout seul. Ça expliquerait peut-être pas mal de choses. Vous êtes certaine que je suis un amant? Il n'y a pas d'erreur de diagnostic à redouter? Ben, vous avez tous les symptômes connus. Fièvre permanente de conquête. Préférence marquée pour l'amour physique. Nature passionnée. Soufflement rapide, etc., etc. Merci, professeur. Élise, qu'est-elle, devrez-vous? Ah, une épouse, ça crève les yeux. Madame Preston est faite pour le mariage comme un imperméable est fait pour la pluie. Et Philippe? Un mari, indiscutablement. Un vrai mari. Un vrai mari, c'est un mari qui trompe sa femme. Oui, mais en pensant à elle. Et en avant? En pensant à lui. Vraiment, ce qu'on attend pour vous confier la direction d'un magazine spécialisé dans les problèmes de cœur. Eh bien, fondez le magazine et téléphonez-moi. Pourquoi pas? 514-969-6969. Le matin avant 9h et le soir après 18h. Oh, et mon adresse courriel. Puis d'amour, à yahoo.ca. Merci, mademoiselle d'amour. Appelez-moi. Rachel. Oh, eh bien, Rachel, passez de belles vacances et soyez un peu très sage. Et bonnes vacances à vous aussi, Olivier. Surtout, ne vous mariez pas trop vite. Ah, Rachel, vous êtes encore là? Ben voyons, dépêchez-vous, voyons. Oh. Dis donc, je serais attaché pour détourner les femmes de leur devoir, toi. Alors, mademoiselle. Ah, Philippe. Est-ce que vous voulez que je dise quelque chose à... C'est ça, je voulais que vous dites au revoir de ma part à madame Preston. Pouvez-vous lui dire quelques mots à mon sujet? Certainement. Je ne sais pas quoi, mais... Oh, quelque chose qui va lui permettre de ne pas s'en aller sur une trop mauvaise impression. Oui, c'est promis. Je dirais que vous êtes noyé dans la baignoire. Vous êtes parti dans la canalisation. Des soucis, vieux frère? Moi? Non, pourquoi? Ah ben, je sais pas, tu donnes l'impression du type qui s'apprêterait à sauter en parachute avant d'avoir lu jusqu'au bout la notice explicative. C'est ton départ avec Lise qui te pose des problèmes? Pas du tout. Hein? Ah ben, tu m'étonnes, hein, parce que hein, toutes les fois qu'on part avec une femme, on part avec un problème, c'est l'évidence même. Et ne dis pas le contraire, hein, toi qui viens de rater trois à la suite, là, hein, ça ne t'impressionne pas? Pas de moi du monde. Ah, ben dis donc, t'as les nerfs d'acier, hein? Ah, là. Ah, oui.
Mais ça commence à m'inquiéter, là. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton système, là. Et ça m'inquiète beaucoup. Dis-moi, comment ça s'est passé au juste avec les autres? Ce sont elles qui ont mis les voiles ou c'est toi qui les as larguées? Ni l'un ni l'autre. Mes droits de divorce ont été obtenus par consentement réciproque, puisque vous vouliez tout savoir. Ah, je vois. C'est une espèce de phénomène de rejet mutuel. Hein. Bien, je ne te cache pas que ça m'ennuie beaucoup. Hein. Oh, mais pas pour toi, mais pour Lise. Je serais navré d'apprendre dans quelques années que la dernière en date des épouses des Marais est allée rejoindre les autres dans le placard. Hein. D'autant plus que la pauvre petite a été passablement malheureuse jusqu'ici. Enfin, elle n'était pas très heureuse. Hein. Enfin, je te fais confiance, mon vieux. Franchement, Preston, vous ne trouvez pas que ce genre de recommandation de vous à moi est parfaitement ridicule? Ma parole, on dirait que vous allez me donner votre fille en mariage. Lise a librement choisi entre vous et moi, hein, n'est-ce pas? Et elle est largement majeure. Ah oui, mais ne lui dis pas trop, je ne suis pas sûr qu'elle soit au courant. Olivier, monsieur Bourgeois attend que tu fermes tes valises pour les descendre à la voiture. Dépêche-toi. J'en ai pour 5 minutes, chérie. Décidément, t'as une mine de papier mâché. J'aime pas ça du tout. De quoi je me mène? Ne t'en fais pas, chérie, t'en fais pas. Ce type n'a jamais mâché de papier de sa vie, c'est évident. Il parle par oui dire. Oh, t'es un petit peu pâle, c'est vrai, mais ça te va très bien. Hein. Ça te donne un petit côté porcelaine chinoise, tout à fait émouvant. Ton ensemble de voyage est absolument ravissant, hein, non? C'est vrai? C'est Robuchon? Oui. Ah, je l'ai reconnu tout de suite. Nous l'avons choisi ensemble. Ah, d'ailleurs, nous avons toujours tout choisi ensemble, depuis cette maison jusqu'à mes cravates, enfin tout, quoi. Sauf des marais, évidemment. Ça sert à quoi de remuer tout ça? Ça sert à quoi de remuer tout ça? Oh, je ne sais pas, c'est juste pour remuer. Oui, juste pour remuer. Quand vas-tu parler aux enfants? Oh, bah, écoute, rien de presse, hein. Écoute, quand à leur retour, leur bébé, tu connais Nathaniel, hein. Il va se mettre à faire jouer sa musique le plus fort possible. Quand tu leur parleras, je t'en prie. Ne sois pas trop dur pour moi. Écoute, je t'ai dit que j'allais prendre tous les torts à ma charge, non? Oui, tu as même commencé cette nuit. Philippe, comment tu peux faire ça? Sur ma tête, dans la maison! Non, non, je vais sur la tête de démarrer. Hein. Et puis, dis donc, j'avais ton accord, non? Non, j'ai tout fait pour t'en empêcher. Tout sauf ce qu'il fallait faire, tout sauf de renoncer à démarrer. Et toi, les autres, toutes les autres, est-ce que tu y as renoncé? Ouais, les autres, quoi? Hélène, Betty, Caroline, Marussia, Véronique, Nathalie, Véronique, à ta feu. Dominique, Elma, José, Micheline, Nicole, Suzy, Suzanne, Valérie. Non, mais dis donc, c'est toi qui m'avais fauché mon agenda? Ton annuaire, je veux dire. Non, je t'ai pas fauché. Je l'ai trouvé par hasard, dans la voiture. Et heureusement, d'ailleurs. Parce que figure-toi que moi, j'y croyais à tes fameux rendez-vous d'affaires où il fallait surtout pas te déranger. Oh, ben, il y avait quand même certains de vrais là-dedans, non, écoute. Ah oui? Donne-moi un chiffre. Hein? Ben, je sais pas, mais 20% environ. Ah, au bas mot, hein. Et si tu ajoutes à ça 25% de déception, 50% de contrariété, puis 15% de latin en tout genre, ben... Ça fait 110%. Tu es perdant, mon pompier. Oh, chérie, écoute, je ne cherche pas à t'attendrir sur mon sort. Je sais que je me suis rendu très coupable envers toi. Crois-le ou non, j'en suis navré. Mais ceci dit, ne va surtout pas t'imaginer que c'est une partie de plaisir de tromper la femme qu'on aime. Hein? Surtout quand on aime une femme comme toi, non, la plupart du temps, c'est même assez pénible. Tu te fais que tu sais sacrifier? En tout cas, je pourrais te jurer que je n'ai jamais aimé que toi si j'avais encore une parole d'honneur. T'en as plus? Ah ben oui, je t'ai donné la dernière le soir de Noël quand je suis arrivé en retard pour le réveillon. Tu veux que je te dise comment que ça se passe avec les autres? Oui. Bah tiens, exactement comme avec la bière brune. Avant de boire, je suis perplexe. Quand je la bois, je suis inquiet. Puis quand j'ai bu, je suis malade. Mais tu bois quand même. Je bois quand même. Oui, parce que je suis un faible. Voilà, une bonne pâte d'homme qui ne sait pas dire non aux jolies filles. Bah, naturellement, elles en profitent. Hein. Ah. Enfin, chérie, qui croyais-tu avoir épousé un bon moine bien tranquille avec sa Bible sous son bras et ses gros doigts de pied qui font flip-flap dans ses sandales? Eh non, hein, tu as épousé Philippe Preston tout bêtement. Tout bêtement, oui, ça tu peux le dire. Ben, tout de même, ça a duré 20 ans, hein, avec deux enfants à la clé,
Et là-dessus, une espèce de croque-mort, tu penses chouiner, tu te mets à trotter derrière lui comme un toutou. Philippe n'est pas un croque-mort, c'est un homme sérieux. Sinistre. Amoureux, en tout cas. Ah, oh, les lapins aussi sont amoureux. Tiens, tu pars avec un lapin, voilà. Tu veux que je prédise ton avenir avec lui? Non. Il te fera crever d'ennui. Ce type est aussi triste à lui tout seul qu'une rangée de prédicateurs. Et il t'apprendra que dans la bonne société, on met sa main dans sa bouche avant de rire. Oh, franchement. Et tous les soirs, il te récitera les cours de la bourse en enlevant ses bretelles. Clac, 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 clac. Il porte pas de bretelles. Oh, il en porte moralement. Et alors, dans un an ou deux, tu seras aussi fraîche et vivante qu'un trèfle à quatre feuilles dans un dictionnaire, voilà. C'est tout? Non, c'est pas tout. Et alors, tu commenceras à te mordre les doigts, à tes pauvres doigts, meurtri par des bagues trop lourdes. Ah, oui, merci. Et tu commenceras à penser, alors, à ce brave type, tellement rigolo, avec qui tu avais passé de si bons moments, et tu auras envie de le revoir. Mais alors, chérie, ça sera même pas la peine de te déranger. Nous n'y serons pour personne. Non. Oui, nous. Je pense pas quand même que je vais rester tout seul dans ces grandes bâtisses de Westmont. Non, je compte prendre une gouvernante. Mais tu as Madame Bourgeois. Non, pardon, c'est Monsieur Bourgeois qui a Madame Bourgeois. Je ne compte pas la discuter. Non, ce qu'il me faut, moi, là, c'est... Ce qu'il me faut, c'est quelqu'un qui puisse se pencher sur mon corps sans faire craquer ses articulations. Quelqu'un de beaucoup plus jeune. Dans le style de Mademoiselle d'Amour. Ah, voilà. Formidable. On vient d'avoir la même idée en même temps. Comme ça, tu vas installer cette poufiasse dans la maison? Oh chérie, quel mot dans ta bouche, c'est laid. Oui, parfaitement, dès son retour du talis, parfaitement. Oh, elle sera chaude et dorée, comme une brioche sortant du four, ça va être un délice. Elle s'assoira dans mes fauteuils, respirera mes fleurs, mangera dans mes assiettes de Limoges et dormira dans mon lit! Parfaitement. Et si ça l'amuse, elle mangera dans ton lit, s'assoira dans tes assiettes et se couchera dans tes fleurs. Hein? Ça te regarde? Est-ce que c'est pas de ta faute tout ça? Est-ce que c'est pas ce que tu as choisi? Alors, boucle-la et va pleurnicher dans les gilets pour démarrer. Allez, fous le camp, Alice. Dégage. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je pense qu'elle a vu quelque chose qui lui a fait peur. Voyons, Olivier, qu'est-ce que tu as? Je ne pars plus, Olivier. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit, je ne pars plus. Elle dit, je ne pars plus, Olivier. Mais pourquoi? Elle est malade? Ah, quoi, pour moi, elle irait plutôt mieux. Hein. Mais enfin, Olivier, c'est une histoire de fou. Tu sais que demain matin, on attend Milan et que toutes nos chambres d'hôtel sont réservées à Rome, à Florence, à Sienne, à Venise. Je t'ai dit que je ne pars plus. Mais enfin, chérie, il y a deux mois, nous avons décidé ce voyage. Et il y a à peine 10 minutes, tu étais toujours d'accord. Explique-toi. Laisse te comprendre. Je ne peux pas. Je ne pourrai plus. Tout a été détruit, saccagé. Un amour pour vivre a besoin d'un peu de rêve, de poésie, de mystère. Tout a été détruit, saccagé. Pardonne-moi, Olivier, mais maintenant, tu n'es plus pour moi que... Que la paix qui porte des bretelles! La paix qui porte des bretelles! T'affole pas, Olivier, t'affole pas. Non, Lise adore les dessins animés. Hey, toi, ta gueule! Bref, si je comprends bien, Lise, je te parais brusquement ridicule. C'est ça, n'est-ce pas? Ridicule? Pas tout à fait ça, non? Risible, en tout cas. Comique. Je pense pas que la paix à bretelles puisse espérer mieux. Bien. Dans ces conditions, naturellement, Lise, il est préférable que vous ne m'accompagniez pas en Italie. Jamais je remonterai pareil handicap. Je suis désolé, Lise. Moi aussi, je suis navrée. J'espère que tu feras un bon voyage, grand-mère. Ah oui, je le vois d'ici, mon beau voyage. Tout seul, à perte de vue. Et rien que des chambres à deux lits. Il est arrivé quelque chose. Ah, je pense que c'est le système de mise à feu qui a l'air de foirer. Si vous aimez les nouvelles sensationnelles, Mademoiselle d'Amour, en voici une. Madame Preston refuse de partir avec moi pour l'Italie. Ah bon?
C'est tout ce que vous trouvez à dire. Vous préférez que je dise vraiment ce que je pense? Alors, bravo, Madame Preston. Mademoiselle Bourgeois, Mademoiselle Damour, je vous prierai de ne plus jamais m'adresser la parole. Et je vous annonce que votre carrière de gouvernante est terminée. Ma carrière de gouvernante? Oui, ben, je vais vous, tout, je vous expliquer tout ça en voiture. Venez. Venez, restez avec Madame Preston, Philippe. Monsieur Desmarais acceptera probablement de m'emmener chez moi si ça ne contrarie pas ses projets ni son voyage. J'ai plus de projet, mademoiselle Damour. C'est entendu, je vous ramène chez vous. Eh bien, Lise, j'ai beaucoup de peine, comme vous en doutez. Mais il se peut, tout compte fait, que vous ayez choisi la meilleure solution. En tout cas, c'est la plus raisonnable. Bon voyage. Bonne chance, mes frères. Adieu, Preston. Et quand vous aurez choisi votre établissement psychiatrique, n'oubliez pas de me verser. Vous êtes l'amour, la paix bretelle vous attend dans cette position. Pourquoi tu parlais de paix à bretelle? Ah, c'est rien. C'est sa mère qui l'appelait comme ça quand il était petit. D'ailleurs, il est resté petit. Bon. Je vais vous souhaiter des bonnes vacances, mademoiselle, et je suis sûr qu'elles vont être exceptionnelles. Quant à vous, Madame Preston, je sens que votre 7e voyage de noces va être de loin le meilleur de tous. Tu veux vraiment que je reste, Philippe? Tu ne veux pas divorcer? De toute façon, je te jure que je ne retournerai plus jamais vers Olivier Desmarais. Ni vers Desmarais, ni vers aucun autre, ma chérie. Je vais tellement m'occuper de toi maintenant, tu n'auras même plus le temps de te brosser les dents. Tu pourras oublier tout ça? Mais chérie, pourquoi oublier? Non, je veux au contraire que nous nous souvenions pour toujours de cet effroyable gâchis dont nous avons failli être responsables. Non, au moins, ça aura servi à quelque chose, tu crois pas? Enfin, moi, j'y crois tellement que je me demande si je vais pas instituer une espèce de fête nationale, rien que pour nous deux, hein, oui. Quelque chose comme la Saint-Desmarais. J'y arriverai, il s'enfargerait dans la marche, il apporterait du caviar. Oh, Olivier, Philippe, tu es merveilleux. Oui, je t'en prie. Oui. Ah, mais tu sais, tu le reprends, ton vieux clown fatigué. Oh, hein, oui, je le garde. Oui, tu le gardes. Tu sais, j'ai fait mes dernières cabrioles pour toi et je n'en peux plus, là. Et tu sais, nous deux, ça ne sera jamais parfait, hein, mais ça sera nous deux. Et nous savons maintenant que rien ne peut changer ça, rien ne peut remplacer ça. Alors, il faut remettre tout ça d'aplomb, vite. Tu vas m'aider, on va y arriver. Pour le moment, je suis encore un peu toute bousculée, bouleversée. Ne crois pas que c'est parce que je regrette Olivier. Non, non. C'est juste, c'est la façon que je lui ai dit ça. J'ai été méchante. C'est lui de même. Et en tout cas, c'est pas la première fois qu'il aime, hein. Dis-moi, il faut combien de temps pour aller à Dorval? 30 minutes, 40 minutes? C'est dimanche, il y a presque pas de circulation. 20 minutes? Pourquoi tu veux aller à l'aéroport? Non, pas exactement. Où téléphones-tu? À l'aéroport, justement. Allô, la sécurité? Oui. Je voudrais parler à Patrick Crosby, s'il vous plaît. Philippe Preston. Oui. Patrick, c'est le directeur de la sécurité. Alors, c'est un copain. Donc, je suis sûr qu'il va pouvoir... Oui? Allô? Oui, salut Patrick, c'est Philippe, oui, dis donc. Ben oui, ça va. Oui, mais je voudrais que tu me rendes un petit service, oui. Oui, pourrais-tu vérifier si dans le salon VIP d'Air Canada, il y aurait un certain monsieur Desmarais? Oui, d'accord, j'attends. Ok. Bon, ça va pas être long, tu vas voir. Ah, la sécurité, ils sont tellement bien organisés, ils filment tout, ils enregistrent tout. Je suis sûr que... Oui, salut. Alors, quoi? Oui, c'est ça, oui, un petit monsieur, chic. Oui. Olivier Desmarais, c'est bien ça. Bon, alors dis-moi, est-ce qu'il est accompagné? Ah bon? Ah bon? Par une ravissante jeune femme? Ah bon? Bon, eh bien écoute, Patrick, je te remercie, hein? Oui. Non, je te voudrais ça. Mais oui, je te raconterai, bien sûr.
Okay, on se voit au club mardi? Ok. Salut, bonne journée. Bonne journée, Patrick. Ça va, j'ai compris. Elle n'est pas retournée chez elle. Eh oui. Aussitôt dans la voiture, tout a été dit, tout a été fait. Bon, écoute, Lise, J'aimerais pouvoir te dire quelque chose de drôle, là, quelque chose qui te fasse rire, mais je suis incapable, je trouve rien. Moi non plus. Tu crois pas, Lise, que si on s'éloignait un petit peu, si on prenait un peu d'air par rapport aux événements, ça nous ferait du bien. C'est-à-dire? Ben, écoute, tes valises sont déjà faites, non? Il reste plus qu'à faire les miennes, et nous partons tous les deux, bras dessus. Oh, mais pour aller où? On part pas comme ça, à dernière minute. Ah, Rome, Milan, Sienne, Venise. Oh, tu as chipé les réservations d'Olivier? Oh, ça c'est toi. Oh, ben, tu sais, j'ai laissé un petit mot d'excuse hein, avec un chèque. Oh, ben, alors, Madame Prescott, Madame Preston.